à tous. Bonsoir, merci. Bonne année à ceux qui n'étaient pas avec nous la semaine dernière. Bienvenue sur le plateau de Ça se discute pour parler des pirates et des contrefacteurs qui sont donc ces nouveaux faussaires. Il y a quelques années encore, c'est vrai que la contrefaçon, c'était des montres ou des sacs plus ou moins bien imités, produits bas de gamme le plus souvent, mais avec le logo d'une marque réputée collé dessus, ce qui permettait de faire genre avec ses amoureux ou ses collègues de bureau ou ses camarades de classe. Aujourd'hui, dans les cours d'école, les marques de vêtements, de chaussures de sport en particulier, sont le plus souvent des vrais. Ce qui est faux, ce qui sont des faux, ce sont bien plus souvent les CD, les disques, les jeux vidéo. Un CD pirate se vend 30-40 francs dans une cour de lycée. Un jeu 120, c'est évidemment beaucoup moins cher que dans le commerce. Et en plus, le numérique aidant, la qualité est exactement la même. Alors, qui achète, qui vend? Quels sont les risques encourus? C'est ce que nous essaierons de comprendre ce soir avec tous nos invités. Nous parlerons aussi des nouveaux faussaires. Les faux monnayeurs ne sont plus vraiment les truands d'antan. Aujourd'hui, avec quelques milliers de banques et un peu de savoir-faire, un peu de technologie aussi, n'importe qui ou presque peut fabriquer de faux billets de banque à peu près ressemblants, ou du moins qui font à peu près illusion, et en tout cas de faux papiers. Voici donc les gendarmes et les voleurs version 2000. Les ZZ Top sont avec nous, comme vous le remarquez. Je vous présente notamment Nathan. Bonsoir Nathan. Bonsoir. Vous avez 17 ans et déjà une belle barbe hein, qui pousse bien. Votre spécialité, graver des CD que vous revendez à vos copains, voilà, à vos copines. Alors maman également, c'est un nouveau marché qui s'ouvre. Elles se font copier les vieux Johnny Hallyday, comme tout vous le disiez fait. Vous-même. Vous savez que vous n'avez pas le droit. Ça ne vous empêche pas vraiment de dormir. Pas du tout. Pas du tout. Vous nous direz comment l'idée vous est venue, comment vous travaillez, est-ce que vous savez ce que vous risquez? Oui, plus ou moins. Est-ce que vous pouvez nous dire combien vous gagnez? Je gagne 30 francs par CD, donc si j'en fais 3 à 4 par jour, ça peut s'élever à 2000 francs par mois. Richard Raveau, bonsoir Richard. Bonsoir. Vous êtes indirectement une victime de Nathan, enfin en tout cas des petits trafics comme celui que Nathan organise. Ouais. Vous êtes commerçant spécialisé dans les jeux vidéo. Ouais. Depuis quelques, quoi, depuis un an, ça baisse? Voilà, tout à fait. Ouais. Et c'est lié tout à fait à l'activité de mon collègue, puisque je m'aperçois qu'on gagne autant, donc seulement moi, c'est officiel. Vous payez les impôts, vous voulez dire? Voilà. Vous nous raconterez comment les copies pirates, donc, d'après vos enquêtes, ont nuit à votre business. Serge Livrezet, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Serge, qui nous parlera des faux monnayeurs d'antan qu'il a bien connus, lui qui a fait 10 ans de prison pour cambriolage, mais qui a toujours refusé de faire des faux billets, alors que vous avez fait quand même 6 mois de provisoire pour cette raison. Comment vous êtes retrouvé 6 mois derrière les barreaux pour une histoire de faux billets que vous n'aviez pas commise? Quand vous êtes d'une certaine catégorie sociale, vous ne bénéficiez pas de la présomption d'innocence dont on parle beaucoup aujourd'hui à propos des hommes politiques, vous savez. Vous êtes au courant. Et j'ai été réhabilité en 83, j'avais une entreprise et mon associé a fabriqué 7 milliards, c'est la plus grosse affaire de faux billets qu'il y a eu en France. Et on a tout de suite pensé, bien entendu... 7 milliards, ça fait quoi? Ça fait 70 millions de francs? 70 millions de francs, 7 milliards de centimes, donc 70 millions de francs. C'est la plus grosse affaire de fausse monnaie qu'il y a eu en France. J'en tire aucune gloire, j'ai fait 9 mois de prison, pas 6, pour être acquitté par la cour d'assises. Et mais pourquoi? Parce que dites-nous exactement pour quelle raison? Parce que vous avez posé parce vos mains? Parce que j'avais, sur 120 films, mon associé m'a proposé l'affaire. Il m'a dit, c'est une bonne affaire. Je lui ai dit, oui, c'est une bonne affaire, on peut se retrouver en prison. Je vous dis, vous aviez posé vos mains dessus, quoi, vos empreintes digitales? Sur 4 films, sur 120, ouais. Et surtout qu'on a trouvé mes empreintes. Je disais que je n'étais pas au courant, bien entendu. Si, j'étais au courant, puisque j'avais mes empreintes. Ouais. Bon, il se trouve que j'ai expliqué les raisons pour lesquelles j'avais ces empreintes, que je m'étais opposé à la fabrication des billets, et j'étais parti. Donc j'ai une non-dénonciation de malfaiteur, mais il n'y avait pas encore eu le crime. Vous savez que s'il n'y a pas eu le crime, vous n'avez pas à faire de l'énonciation. Vous pouvez me dire que vous voulez tuer votre femme, j'espère que non, mais enfin si vous me le dites, je n'ai pas appelé la police pour dire « Monsieur Delarue veut tuer sa femme ». Vous voyez? D'accord, vous avez bien compris la loi. Mais si vous la tuez, je serai tenu de le dire. Vous êtes obligé de me dénoncer. D'accord. 70 millions de francs, ça représente quoi comme volume? 700 kilos. Oui, c'est très volumineux. Alors très bien, vous nous parlerons donc de l'évolution de la contrefaçon, donc par rapport à ces faux monnayeurs que vous avez connus. Et puis vous nous donnerez aussi votre opinion sur les pirates qui vous entourent ce soir, les trois barbus ici présents. Pour vous, ce n'est pas très important. À vos côtés enfin, Serge Impiche. Bonsoir Serge, bienvenue. Bonsoir. Vous êtes le seul homme au monde à avoir réussi à fabriquer une fausse carte bancaire avec laquelle vous auriez pu vider tous les distributeurs de France si vous l'aviez souhaité. Qu'avez-vous acheté avec cette fausse carte que vous avez réussi à fabriquer? Fausse carte à puce. Hein. À puce, oui, bien sûr. Ouais, j'ai tout simplement pris des contacts avec le GIE carte bancaire. Vous avez, oui. Et ils avaient tellement de mal à croire que ce que je faisais était possible. J'ai fait cette démonstration. Ce sont les seuls achats que j'ai jamais fait avec. Des petits achats que je leur ai immédiatement remis avec les facturettes. Et on ne me reproche pas ce petit larcin qui n'en est pas un. C'était quoi, une grosse voiture? Non, des tickets de métro. Ouais. Le plus petit achat possible dans notre société. Avec une carte à puce. Avec une carte à puce, avec des numéros très particuliers,
Hein, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 comme numéro de carte bancaire, un numéro inexistant et remarquable, dans des endroits publics, des stations de métro, des stations différentes, à des heures de pointe, pour bien montrer que ça fonctionnait l'ensemble partout de leur système était subitement devenu obsolète. Donc vous souhaitiez travailler avec eux, c'était le sens de votre démarche quand vous êtes parti à leur rencontre. Et au lieu de ça, quand vous avez prouvé que ça fonctionnait, ils ont porté plainte contre vous et vous vous êtes retrouvé mis en examen. Vous attendez aujourd'hui votre procès, on développera tout à l'heure, Serge. Je vous présente maintenant quelqu'un que les plus jeunes de nos spectateurs n'ont pas oublié. Un visage juvénile, voire angélique, qui arborait naguère sur ce plateau une jolie chemise blanche. Il s'habille désormais comme une grande personne. C'est d'ailleurs une grande personne qui présente tous les dimanches matins sur France 3 à 10h25 en compagnie d'Oriane Garcia une émission qui s'appelle « Trois fois plus net ». Pour nous aider à y comprendre un peu plus clair sur tout ce qui se passe sur le net. Magazine consacré à Internet, présenté par Florian Gazan, qui, après de longues tractations, a accepté de conclure cette émission. Florian Gazan est avec nous, mesdames, messieurs. Bonsoir. On peut l'applaudir. Merci. Et le remercier. Bonsoir, Florian. Bonsoir, Jean-Luc. Pas trop dépaysé. Pas trop dépaysé, je disais. Je me suis déplacé en fait d'un mètre hein, vers le bas et j'ai gardé mon Minitel quand même, c'est nostalgie, hein, c'est ma Madeleine à moi. Hein. Et votre chemise blanche aussi? Alors je l'ai en dessous évidemment, c'est un peu fétiche. Qu'est-ce que vous attendez de cette émission? J'aime beaucoup les films de pirates, donc je me suis dit une émission de pirates ça devrait me plaire déjà, c'est pour ça que je suis venu. Et puis en fait j'ai une question perso à laquelle je voudrais répondre. L'été dernier j'ai un copain qui est revenu de vacances en Thaïlande, il m'a offert un polo de marque, comme c'était un cadeau j'ai pas pu savoir le prix. Donc je voudrais savoir si jamais, par hasard, ce soir, je l'avais sous mon pull et qu'il s'avérait que ce soit une contrefaçon, est-ce que je risque de graves soucis, auquel cas j'irai déplacer ma voiture, qui d'ailleurs est très mal garée, tout de suite, quoi. Ok, Florian, puis vous apporterez évidemment tous les commentaires que vous souhaiterez sur tout le commerce électronique, un peu douteux, carrément illégal, que vous connaissez bien à travers l'usage que vous faites d'Internet. Je présente maintenant nos invités à qui nous avons consacré un reportage pour mieux comprendre ce dont ils viennent nous parler, en commençant par Laure de Soto. Bonsoir Laure, bienvenue. Vous êtes responsable juridique d'une marque de vêtements que je vous demanderai de ne pas citer pour des raisons évidentes. Une marque créée par un ancien rugbyman de l'équipe de France. Marque jeune, mais déjà faite, ou en tout cas contrefaite. Les douanes vous le signalent en moyenne 2 fois par jour actuellement, comme en témoigne le reportage que nous avons tourné et dont voici un extrait. On parle évidemment de contrefaçon. Ah. Ça vous paraît suspect ou... De toute évidence, ne serait-ce que par le conditionnement pour les produits de cette marque, on s'attendait à autre chose. Là, on voit que ce sont des faux, parce que là, vous avez vu, le papier est plus rigide que les nôtres, en fait. Non, on cherche... Oui, monsieur. Ouais. Mais ça marche bien, les vents. Eh bien, ouais. Ouais. Voilà, là. Vous voyez. Allez, encore. Allez. Voilà. Ouais, on aperçoit bien le crocodile vert, là, je crois que c'est clair pour tout le monde. Donc vous nous direz comment votre métier a évolué. Ça fait combien de temps que vous travaillez pour cette entreprise? Ça fait un peu plus de 2 ans. Alors, quand vous êtes arrivé au début, vous aviez un fax par semaine à peu près? J'avais à peu près un fax par semaine où les douanes m'appelaient pour me dire qu'ils avaient trouvé des faux. Et aujourd'hui, on en a plutôt 2 par jour. Ouais. Donc peut-être parce que la marque est de plus en plus connue. Ou donc à chaque fois, vous allez constater qu'il s'agit bien de produits. En fait, on ne se déplace pas toujours parce que de temps en temps, c'est en province, on ne peut pas y aller à chaque fois. Mais ils nous envoient par exemple les étiquettes de colle ou ils nous envoient enfin, ce qui est représentatif de la marque. Et avec ça, on peut authentifier ou pas les produits. Vous avez déjà réussi à faire condamner sérieusement des contrefacteurs? Oui. Et ben voilà une réponse. Mathieu est contrefacteur. Bonsoir Mathieu, comment allez-vous? Mathieu témoigne anonymement pour ceux qui ne l'auraient pas vu. Vous témoignez anonymement Mathieu car il vous arrive de ne pas respecter scrupuleusement la loi, en particulier quand vous faites des faux. Qu'est-ce que vous avez dans les mains? J'organise une petite tombola. Francis, si vous pouvez montrer, c'est-à-dire? Ben voilà, c'est une petite tombola. Si ça intéresse quelqu'un, je vends les carnets, 5 francs. Ah ouais. Vous l'avez déjà fait, ça? Oui, oui. Ça marche? C'est une réitération, oui, ça marche. C'est un peu plus de travail que d'autres faits de contrefaçon, mais... C'est du travail, ça? Un petit peu, oui. Ça vous a rapporté combien, quand vous l'avez fait? Pas tellement pour les faire, c'est surtout pour les vendre. D'accord. Mathieu, vous nous expliquerez ce qui vous motive quand vous faites des faux avec votre ordinateur, que ce soit des faux tickets de Tombola ou encore des... On va voir ça dans le reportage tout de suite, ou en tout cas un extrait qui va suivre, pour comprendre donc l'étendue de votre activité. Est-ce que vous en vivez aujourd'hui? Non. Non. Fini. Ah bon? C'est des petits à côté pour l'instant. Enfin, en ce moment, c'est des petits à côté. J'en ai eu vécu, mais plus même. Voilà. Vous êtes repenti? Non. J'ai autre chose à faire, c'est tout. Regardez un extrait de ce reportage qu'on verra tout à l'heure en intégralité.
de reconfigurer mon ordinateur, donc pour le mettre un peu au goût du jour. Donc il a fallu que j'achète du matériel, et c'est un peu hors de prix. Donc j'ai trouvé un moyen, c'est que j'ai fait mes propres codes barres. Il m'a suffi d'aller dans un supermarché, relever un code barre d'un truc pas cher, un truc à 150 francs à peu près, entrer le numéro donc ici dans le générateur de code barre, qui lui va me faire un code barre qui correspondra à ce numéro. Et donc je me retrouve avec un code barre que je peux imprimer sur du papier autocollant, le découper, je peux retourner donc au supermarché pour le coller par-dessus le code barre du supermarché et ainsi payer un article à 1600 francs. Je colle un code barre à 150 francs dessus et je le paye donc 150 francs. Voilà Mathieu à l'ouvrage, Faussaire de l'an 2000. Quels sont, Mathieu, les documents que vous avez le plus copiés? Pardon? Les documents que vous avez le plus copiés? Je crois que c'est carte étudiante et... Quel intérêt pour avoir des réductions? Voilà, cinéma, ski, tout ce qui est un petit peu trop cher à mon goût. Quels sont ceux que vous envisagez ou que vous envisageriez si vous étiez toujours faussaire éventuellement de faire? Il y a beaucoup de choses, mais des faux timbres, ça aide. Non, j'y pense plus trop tellement, mais je sais qu'il y a beaucoup de choses, quoi. Si c'est jamais ça vous revient, vous nous direz un peu plus tard. D'accord. Merci. Max, bonsoir. Bonsoir. Comme votre voisin, vous témoignez anonymement. Le mois dernier, vous avez été condamné par le tribunal correctionnel, un tribunal correctionnel sans citer lequel, à 3 mois de prison avec sursis, à 140 000 francs de dommages et intérêts. Quels sont précisément les faits qui vous ont été reprochés? Donc on me reproche d'avoir diffusé de la musique sur Internet. Donc les internautes pouvaient venir écouter de la musique sans reverser de droits. Écouter ou écouter et copier la musique? Du moment qu'on peut lire quelque chose sur Internet, on peut aussi le télécharger. Donc c'est vrai qu'effectivement, on peut aussi recopier. Par contre, ça prend un certain temps, mais théoriquement, c'est possible. En fonction de la taille de la bécane qu'on a, et puis ensuite, avec un graveur, on peut le transformer en CD, donc. Voilà. Ok. Mais vous n'avez jamais réalisé ce type de commerce? Non, pas du tout. Ça va, Nathan? Je sais. Bon, je parle sous le contrôle de votre avocat, Max. Cette condamnation est à ce jour la seule en Europe. Pourtant, des millions d'internautes écoutent tous les jours gratuitement de la musique. Je vous propose de comprendre comment la piraterie musicale, le geste amical ou le petit commerce qui l'accompagne est devenu l'un des sports les plus pratiqués dans les cours de récréation des collèges et des lycées. C'est pour commencer cette émission un reportage de Jean-Baptiste Claverie, de Pascal Caron et de Cyril Chamalet. Pierre, 16 ans, est un lycéen doué en informatique. Il sait comment écouter de la musique gratuitement. Sur Internet, il trouve par milliers des morceaux de musique. Il peut les enregistrer sur son ordinateur. Si on prend l'exemple d'un artiste français comme Zebda, par exemple, le Tomber la chemise. Donc on clique et on l'a sur le disque dur après l'avoir téléchargé. C'est totalement illégal à moins d'avoir le CD original chez soi. Parce qu'en ayant le CD original, on a payé les droits d'auteur et on est normalement dans la légalité. On peut écouter ce morceau. Donc on reconnaît évidemment le grand tube qui nous a fait danser tout l'été. Donc maintenant, on peut tout à fait le mettre sur un CD. Et donc ce CD, vous pourrez à la fois l'écouter sur votre chaîne Wi-Fi ou sur un baladeur CD. Ces morceaux sur Internet, on les appelle MP3. C'est une véritable manne musicale et l'engouement des internautes ne fait que commencer. Ils se fournissent auprès de sites pirates où la musique est diffusée gratuitement sans l'accord des artistes. C'est donc de la contrefaçon. Conséquence, la police commence à s'intéresser sérieusement au phénomène MP3. Cet homme est commissaire de police, il dirige un service de lutte contre la fraude informatique qui traque les sites pirates qui proposent de la musique gratuite en toute illégalité. On peut difficilement imaginer aujourd'hui, concrètement et juridiquement, matériellement en tout cas, poursuivre le particulier qui télécharge un fichier MP3 de chez lui. Par contre, l'action de la police et de la justice en matière de contrefaçon de fichiers MP3 doit plutôt s'orienter en direction de ceux qui mettent à disposition en ligne ce type de fichier. Et justement, pour la première fois en Europe, deux jeunes de 21 et 24 ans viennent d'être condamnés. Motif, ils ont proposé sur leur site une dizaine de disques sans en avertir les auteurs. Verdict, respectivement 3 mois et 2 mois de prison avec sursis et 140 000 francs de dommages et intérêts à verser aux sociétés de droits d'auteur et aux producteurs.
Mais la contrefaçon musicale ne sévit pas que sur Internet. Dans tous les lycées et collèges de France, les CD pirates font un malheur, on en estime le nombre à plusieurs millions. Certains lycéens en font un véritable business illégal sans être vraiment conscients des peines qu'ils encourent. Il faut dire qu'aujourd'hui, quelques connaissances en informatique suffisent pour créer ses propres compiles. Et même sans être un génie de l'informatique, on peut s'y mettre. On trouve dans le commerce des graveurs de salon à brancher sur sa chaîne Hi-Fi. Désormais, tout le monde peut dupliquer des CD aussi simplement qu'il y a quelques années, on copiait des vinyles sur cassette. Il y a une chose qu'il faut bien comprendre et pas se faire d'illusions. C'est vrai qu'à une époque, les gamins dans les cours d'école s'échangeaient des cassettes audio avec les derniers tubes. À l'époque, probablement des Bee Gees, etc. Les gamins dans les cours d'école, maintenant, ils s'échangent des CD gravés, des CD enregistrés. Résultat, les ventes de CD vierges ont explosé. Dans ce magasin, la rotation des stocks est considérable. Ici, vous avez une petite vision de ce qu'on a besoin d'approvisionner à peu près chaque jour, puisque en ce moment, pour les périodes de fête, on vend à peu près 10 000 CD vierges par jour. Il y a bien des CD vierges là-dedans qui vont devenir des copies pirates d'albums d'artistes, non? Vous ne pensez pas? Je pense pas, non. Je sais pas ce que les gens font de leur CD chez eux. À l'heure actuelle, les gens prennent rarement en dessous de 10 CDR, c'est toujours 10, 20, 30. Le panier moyen, je pense qu'il doit être à 30 CDR par client. Donc ça veut dire qu'il y a du piratage derrière. Tout à fait, ouais. Mais ce ne sont que des suppositions, bien sûr. Et nous, en tant que vendeur, on n'est pas là pour faire la police avec le client. Il sait les peines qu'il encourt et il connaît les conséquences. Est-ce que vous leur en parlez de ces peines ou... Tout à fait, tout à fait. Qu'est-ce que vous leur dites? On leur dit que le piratage est très grave. Hein. Mais bon, vous savez, c'est comme un peu comme un père qui dit ça à son gamin. Le gamin, on ne va pas le surveiller. Bon, merci. Vous en avez acheté combien, là, des CD vierges? 9,50 francs, un CD, qui nous fait à peu près 40 francs les 4 CD. Qu'est-ce que vous allez en faire exactement? Je vais faire des copies. Vous avez le droit de faire ça? Non, c'est illégal. C'est que pour les copains ou c'est aussi pour les vendre? Non, la plupart du temps c'est que pour les copains, mais j'en connais beaucoup qui les vendent. Tu regardes dans n'importe quel magasin, il y a les graveurs en vente libre et tout. Ah, donc, graveurs en vente libre, 150 francs pour un album de musique, ça fait un peu cher. À votre avis, les maisons de disques exagèrent? C'est un peu cher pour nous, pour les petits acheteurs, ça fait un peu cher. S'ils auraient fait 100 francs tous les CD, ce serait bon. Ça aurait déjà, il y aura moins de gens qui feraient des copies, je pense. Moins de piratage. Ouais, moins de piratage. Faut arrêter quand même, non? Je vais croire que c'est cher, mais enfin bon. C'est combien aujourd'hui un mobile, un mois, pour appeler tout et n'importe quoi? Attendez, il faut relativiser l'histoire. Cette histoire, Pascal Nègre la connaît bien. Président d'une grosse maison de disques française, il est victime de la contrefaçon et le phénomène commence à l'inquiéter. Attendez, moi j'ai eu 15 ans, j'ai eu des cassettes enregistrées. Je l'assume complètement, je vois pas où est le problème. Mais là où je suis pas d'accord, c'est le jour où on commence à en faire un trafic. Parce que, soyons bien clairs, on n'est plus dans une logique de copie, au sens je prends un livre et je fais une photocopie. On est vraiment dans une logique de clonage, c'est-à-dire que je vais obtenir un CD qui est exactement le même que le CD que je viens de copier. Bon. Alors qu'est-ce qui m'inquiète? C'est simple, vous prenez un sac Vuitton, vous mettez ça dans une machine, vous mettez un bout de cuir de l'autre côté, vous appuyez sur un bouton, ça vous donne un sac Vuitton. Vuitton va être assez inquiet. Eh bien nous, c'est la même chose. Et je trouve ça assez bizarre quand vous aimez un artiste, parce que si vous voulez le disque d'un artiste et que vous l'aimez, et bien tout à coup, en achetant, pas l'original, mais en achetant le faux, tout à coup, l'artiste, vous le volez aussi. Donc je trouve ça assez bizarre. Est-ce que vous allez aller piquer dans le porte-monnaie de votre petite copine? Non. Si vous aimez quelqu'un, pourquoi vous allez le voler? Voilà, donc le reportage de Cyril. Bon, je rappelle, Max, vous êtes donc l'un des deux jeunes gens condamné le mois dernier pour avoir créé un site internet qui permettait à chacun de copier, d'écouter de la musique. Je ne sais pas pourquoi, vous avez un petit air de... qui permettait à chacun d'écouter de la musique et puis ensuite de la copier. Vous n'aviez pas les droits de faire ça. Quels étaient les artistes dont les internautes pouvaient copier les morceaux sur le site? Il y avait un album de Mylène Farmer, un album de Francis Cabrel, un album des Cranberries. Voilà. Le titre qui est passé bien. Est-ce que vous aviez conscience que ce que vous faisiez était illégal? Non. Non, vraiment. Il y aurait eu des ventes ou des choses comme ça. Là, d'accord. Mais le fait de proposer de la musique à écouter,
Surtout que c'était sur une des parties du site. Donc, il y avait des parties informations sur le format, des parties baladeur MP3A, platine de salon MP3A, et cette partie de chargement. Donc, non. Est-ce que Florian peut nous expliquer ce qu'est le format MP3? Le format MP3, en fait, c'est un système qui permet de compresser les données. C'est-à-dire qu'un morceau numérisé, c'est des 0, des 1, c'est un fichier qui est gros comme ça, donc c'est très lourd à transporter. Le MP3 permet de le réduire de manière drastique en enlevant des fréquences qu'on n'entend pas à l'oreille nue. Enfin, bref, et ça permet de le faire circuler beaucoup plus facilement sur Internet, parce qu'en fait, le problème de n'importe quel téléchargement de fichiers sur son disque dur, c'est que ça passe par la ligne téléphonique, par le modem, et que plus c'est gros, plus c'est long, et plus c'est long, plus ça coûte cher, et moins on a envie de le faire. Donc le MP3 permet de faire circuler plus rapidement, quoi. Nathan, même question à vous, qui gravez et revendez des CD, alors je précise à l'échelle d'un lycée, évidemment, donc à vos camarades de classe, en l'occurrence, et à leur maman, on va y revenir. Est-ce que vous avez conscience que cette activité est illégale? Enfin, dans quelle mesure vous en avez conscience? J'en ai conscience à partir du moment où j'ai lu certains articles qui permettaient de savoir que c'était illégal, mais je pense pas que je suis dans une égalité totale à partir du moment où c'est à l'échelle de mon lycée, je le revends pas sur Internet ou autre, donc... Pas à grande échelle, quoi. Voilà, pas à grande échelle. Comment vous en êtes venu acheter un graveur de CD? Donc, j'y suis venu cet été où donc j'avais bossé pendant 2 mois, tout à fait légalement, et j'ai donc acheté un graveur de CD au terme de mes 2 mois. Et à partir de ce moment, c'était uniquement pour mon usage personnel. Mais bon, j'en ai parlé autour de moi et je me suis rendu compte que ça intéressait pas mal de monde, en fait. Combien ça vous a coûté, le graveur? 1000 francs. Ouais. Donc, c'est un graveur bas de gamme, c'est le premier prix. Quel est le premier disque que vous avez copié, Nathan? Le premier disque que j'ai dû copier, ça doit être les Cranberries, leur nouvel album. Ouais. Donc au lieu de payer 150 francs, il me revient à 7 francs. Et vous le vendez? 30 francs. C'est un prix étudié, comme on dit? Non, pas du tout. Non. En fait, je m'étais renseigné et c'était les prix tournés autour de 30-40 francs. Au début, j'étais parti sur la base de 20 francs et en fait, je me suis rendu compte que j'étais vraiment pas cher, donc j'ai augmenté mes tarifs. Avec ou sans jaquette? Le supplément jaquette, c'est 10 francs par CD. Donc voilà. 40 francs avec la jaquette. Voilà, 40 francs, vous avez la jaquette en couleur et ainsi que le CD, donc c'est totalement méconnaissable à partir du moment où vous ouvrez pas le boîtier de votre CD. Vous avez un catalogue que vous proposez à vos clients potentiels? Tout à fait, je vais vous l'amener. Ah bon, Jean-Luc? Bon, Francis, vous venez m'aider là. Donc voilà le gravure de vos CD, donc c'est janvier 2000, la nouvelle édition de Nathan, donc. Hein. 35 francs le CD audio. Ah, bah ça a augmenté, 35 francs le CD? Non, c'est 35 francs le CD de données et 30 francs le CD audio. Ah, d'accord, oui. Je suis sûr de comprendre. Je n'ai pas compris en fait, la différence. Vous avez des CD-ROM et des CD audio. Donc ah, CD-ROM, oui, ça, je comprends. C'est un peu plus cher. Normal. 45 francs le CD compilation, alors au choix. Voilà. Vous fabriquez vous-même les compilations? Non, c'est les personnes qui souhaitent un titre de chaque artiste. Ils me font une liste de la limite de 15 titres par CD. Ah ouais, vous fabriquez la compilation? Voilà, une compilation qui n'existe pas, voilà, dans le commerce. Voilà. 50 francs le CD de données informatiques. Et là, nous avons des options, hein, comme vous pouvez voir là. le CD vierge est fourni, hein, des suppléments jaquettes, des titres inédits. Vous souhaitez un titre sorti à l'étranger, mais pas encore en France? Nous vous le trouverons, détaillé à l'intérieur. Puis voilà, nous avons effectivement le catalogue proposé par Nathan. Il y a des trucs super beaux. La bande originale d'Ali McBeal. Mignonne. Il y a du Lara Fabian. Ah ouais, quand même. Yeah. Il y a quand même un gros investissement marketing comme les maisons de disques. Hein, il y a quand même mis de l'argent à sa plaquette. Hein. Et vous le faites tourner, votre petit catalogue, ou c'est juste pour nous amuser que vous avez fait ça? Je le fais tourner juste seulement aux personnes que je connais. Vous avez combien de clients différents? Je dois avoir une cinquantaine de clients. Ouais. Comment vous en êtes venu à travailler avec les mamans des clients? Ben, c'est les enfants, des amis à moi qui ont trouvé l'idée intéressante. Et, qui en ont parlé à leur mère? Voilà, ils en ont parlé à leur mère et à leur père. Et en fait, ça intéresse tout le monde, toutes les classes d'âge. Alors vous vous retrouvez à copier du Richard Klederman et... Voilà, tous les styles. Ah ouais. Combien ce commerce vous a rapporté depuis le temps que vous le faites? Au début, ça allait doucement, puis à partir de mi-septembre, mi-octobre, c'était 2000 francs par mois. Donc c'est récent, donc ça m'a dû me rapporter 5000 francs en gros. De quoi faire mon argent de poche. Ouais. De quel œil vos parents voient ce trafic? Mes parents, ils le voient pas tellement parce qu'ils s'intéressent pas du tout à ce que je fais au niveau ordinateur et tout ça. Mmh. Ils le savent que vous gravez des CD? Oui, tout à fait. Ils le savent. Vous en parlez avec eux? Oui, on en parle. Vous êtes mineur encore, hein, je ne sais pas si. Tout à fait. Ouais. Donc ils le savent, mais bon, ça ne les dérange pas. Mais bon, ils s'intéressent au fait que c'est illégal, que je dois faire attention. Mais voilà, ça reste dans ces mesures. Ça reste des conseils amicaux plutôt. Voilà, que... des conseils amicaux. Vous ils ne m'interdisent pas de graver des CD. Vous n'interdisent pas? Non. Il y a beaucoup de faussaires autour de vous, de graveurs dans votre lycée, de graveurs oui, et de vendeurs? Oui, il y en a pas mal, surtout dans ma section, donc je ne dirais pas laquelle je suis, mais
C'est centré sur l'informatique, donc il y a beaucoup de personnes qui ont des graveurs et qui... Donc de la concurrence, donc des prix plus étudiés, un catalogue... Non, en principe, c'est 30 ou 35 francs. Ça ne les dépasse pas et c'est pas en dessous. Et dans votre classe, vous êtes combien? Combien d'élèves ou... Non, combien de graveurs et de vendeurs? Je suis le seul, donc... Pour l'instant, vous êtes en situation monopole. J'ai le monopole, donc c'est, ouais. C'est super. Les garçons ou les filles qui gravent le plus souvent? Les deux, tout à fait, les deux. Ouais. Ouais. Les filles commencent à s'y mettre, là, parce qu'elles découvrent l'informatique. Et bon, c'est relativement facile de graver un CD. Ça prend 10 minutes, un quart d'heure, donc... Donc les filles sont contentes de savoir qu'elles viennent d'apprendre l'informatique, oui. Donc ça prend 10 minutes, un quart d'heure de graver un CD, donc c'est à la portée de tout le monde. D'accord. On va voir ce que Pascal Nègre en pense, le président d'Universal Music France, vous avez perçu le reportage, et qui est notre invité ce soir. Pascal Nègre, sous les applaudissements du 102. Bonsoir Pascal. Bonsoir. Alors, je connais Pascal depuis longtemps, parce qu'on est tous les deux dans ce métier, on est vieux de ce métier maintenant, mais on va essayer d'être sérieux ce soir et chacun garder sa position pour obtenir un certain nombre d'informations importantes. Pascal Nègre est donc président d'Universal Music France, le premier producteur français qui produit des artistes français mais également étrangers, U2, Johnny, Mylène Farmer, Florent Pagny, Elton John, mais aussi quelques disparus, on peut citer Gainsbourg et Dalida. Vous êtes également président de la SCPP, l'organisme qui défend le droit des producteurs, que vous inspire le commerce auquel se livre Nathan? En même temps, enfin, il y a une double attitude. Il y a une attitude qui est plutôt sympathique. Plus sympathique, d'ailleurs, le pauvre, il vient de perdre un procès contre nous, mais plus sympathique pour le monsieur Max. Informaticien. Ben oui, un petit génie de l'informatique, c'est toujours sympathique. Il est capable de, sur son ordinateur, eh bien, mettre en ligne, créer son site, mettre en ligne de la musique, etc. Plutôt sympathique. Bon, un petit filou, l'autre, ben voilà, il fait un petit commerce, il se débrouille, etc. Donc, dans le fond, plutôt sympathique. Maintenant, la réalité, c'est que c'est du vol. C'est simplement du vol. Ce sont des voleurs. Et vous ne croyez pas que vous volez les acheteurs quand vous vendez un CD 150 francs? Alors, là, vous avez... L'argument, d'abord, c'est que les CD... Non, ça va. N'obligez pas à défendre Pascal. Alors... Ne m'obligez pas à défendre Pascal. Plusieurs choses. D'abord, je ne suis pas voleur, la preuve, c'est que j'ai pas de barbe. Bon. Deuxièmement, et des lunettes noires. Tout le problème est le suivant. C'est, effectivement, d'un côté, j'achète un bout de plastique, ça vaut 10 francs, c'est un CD vierge. De l'autre côté, je vais acheter un disque, 150 francs. Alors là, excusez-moi, vous qui êtes malin, vous devriez vous balader un peu, vous pouvez en trouver à moins cher. Et de l'ego, cela. Et donc, de l'autre côté, j'achète effectivement un CD à 120, 110. Bon. La grande différence, c'est que la valeur d'un disque, ce n'est pas le bout de plastique, c'est le contenu. C'est comme si, tout à coup, vous limitez la valeur de la Joconde au demi-kilo de peinture et au bout de chiffon sur lequel la Joconde a été peinte. La valeur d'une œuvre, elle n'est pas simplement la valeur physique d'un bout de plastique. Et ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que si on vend un disque entre 100 et 120 francs, en moyenne, il y en a les moins chers, il y en a les plus chers, bah c'est que tout à coup, il y a des investissements. Il y a d'abord des investissements de vie. C'est-à-dire un artiste, c'est quelqu'un qui va tout à coup consacrer sa vie à créer. Il va sortir un album une fois tous les 2 ans, 3 ans, 4 ans. Souvent, tout à l'heure, on entendait Zebda, qui est un artiste qui nous a fait le plaisir de signer avec nous en 91. D'accord, ils ont explosé cette année pendant 8 ans. Ben, c'est les petits concerts, c'est la galère, c'est etc. Bon, et puis on essaie de commencer à être connu. Et puis c'est des années, c'est une vie qui est consacrée à ça. Aujourd'hui, une maison disque, c'est quand elle signe un nouvel artiste, à moins de 100 000 albums, elle ne va pas gagner un centime. Et il va falloir qu'elle en signe 9 ou 10. C'est rare, et investir sur chacun de ces artistes-là pour faire que tout à coup, elle arrive à ne pas perdre d'argent. Donc, il y a des investissements qui sont très lourds, à la fois de la part du producteur, mais à la fois de la part de la vie de l'artiste. Et un artiste, ben, c'est aussi pour moi un symbole de culture et de démocratie, d'ailleurs. Vous repérerez que souvent, les pays les plus démocratiques sont ceux qui respectent le droit du créateur. Et c'est vrai que, tout à coup, quand vous copiez, vous ne respectez pas le droit du créateur. Alors, vous défendez les producteurs à travers la SCPP. La SCPP, les artistes à travers votre boulot de président de maison de disques. Vous connaissez bien votre dossier. À combien estimez-vous votre manque à gagner à cause du piratage? Et puis, double question, d'après vos infos, la piraterie des cours d'école, comme celle que pratique Nathan, est-ce qu'elle occupe une part vraiment importante du marché? Alors,
deux choses. Un, aujourd'hui, on voit bien que le marché commence à baisser. Le marché surtout d'ailleurs du single, du CD de titre, qui est en train vraiment de baisser d'une manière importante. On voit aussi certaines typologies de musique qui tout à coup commencent à disparaître des parades de vente. Le rap, par exemple. Bon. C'est vrai qu'aujourd'hui, on estime à peu près à 10%. 10% le manque à gagner. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a grosso modo 10 disques qui vont se vendre en France, il y en a un qui va être d'une manière ou d'une autre copié ou piraté. C'est pas normal. Donc, c'est pas normal, mais sur 10, vous avez 90% qui vous rapportent, donc je pense que vous n'avez pas trop à vous plaindre. Vous pensez qu'il s'y retrouve ? Oui, je pense qu'il s'y retrouve, oui. Ben vous avez tort, parce que le problème, il n'est pas de savoir si on s'y retrouve ou on s'y retrouve pas, c'est est-ce que tout à coup on va donner de la chance à beaucoup ou à moins d'artistes de pouvoir enregistrer, essayer de faire une carrière. Or, demain, qu'est-ce qui se passe ? Ben, si le chiffre d'affaires des maisons de disques baisse, ben, on signera moins d'artistes parce qu'on aura moins les moyens d'investir sur un nombre d'artistes importants. Et donc, tout à coup, ben, il y aura moins de créations. Et je pense que personne n'y gagnera dans cette affaire. Oui, moi, je vais vous dire quelque chose. Il y a beaucoup de personnes qui achètent mes CD par fantaisie pour découvrir l'artiste, qui ne l'auraient pas acheté dans le commerce en temps normal. Donc, parce que c'est trop cher, non, ou parce qu'elles ne sont pas forcément fans de l'artiste. Donc par mon intermédiaire, ils découvrent l'artiste et à terme, ça peut vous rapporter de l'argent. Donc, Oui, les commerçants. Je sens que je vais faire un chèque. Les commerçants. Vous faites la promo et ils ne demandent rien pour ça. Moi aussi, j'ai eu 17 ans un jour, et oui. Bon, à l'époque, on était sur les cassettes. C'est vrai qu'à l'époque, on trafiquait pas les cassettes, on vendait pas les cassettes. Effectivement, moi aussi, j'ai découvert des artistes par des cassettes. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est pas la même chose. Vous la vendez. Et ça, je trouve ça... Vous voulez faire des copies pour vos copains. Vous consultez le catalogue de monsieur. Alors, en plus, faites attention une parce petite, que... Une petite idée cadeau pour Noël prochain, peut-être. Faites attention parce que. Il y a beaucoup de vos artistes qui sont vous êtes en train de découvrir le capitalisme, ce qui est très très bien. Bon, ça déjà, vous voyez quelques inconvénients, regardez votre tête. Mais vous allez voir que ça en a d'autres. Et je vous signale qu'il y a une première personne qui a à peu près votre âge, qui vient d'être condamnée à 2 mois de prison avec sursis, ouf, mais 25 000 francs d'amende. Donc si vous faites votre calcul, je ne sais pas combien vous gagnez tous les mois, à peu près 2 000 francs, si bien entendu. Bah, vous avez intérêt à mettre un peu d'argent de côté, parce que si un jour vous avez un procès, vous serez peut-être obligé de payer 25 000 francs ou plus. Donc le capitaliste, il a des lois, il a... c'est bien. Bon, donc voilà, le principe, il est simple. La loi autorise la copie, d'accord ? Soyons très clairs. Et ce n'est pas le cas dans tous les pays. Hein. En Angleterre, par exemple, la loi n'autorise pas la copie privée. En France, vous avez le droit de faire une copie, d'accord ? Mais cette copie, elle est normalement pour vous, pour la mettre dans la voiture, pour amener le disque à la plage, bon, limite pour le donner aux copains, point. Mais entre faire une copie et tout à coup faire du travail à la chaîne jusqu'à 6 heures du matin pour commencer à les vendre, il y a un pas. Donc il y a une tolérance. Et d'ailleurs, si effectivement vous voulez m'aider à faire découvrir mes artistes, je vous remercie. C'est tandis que Cranberries, vous n'étiez pas tout à fait né, vous n'aviez pas encore de poils que ça vendait déjà. Donc bon. Mais fondamentalement, donnez-les. Là, vraiment, vous allez m'aider. Si Max et Mathieu veulent faire des réactions, vous donner leurs réactions également. Moi, je trouve qu'ils s'en prennent aux mauvaises personnes. Si vraiment vous craignez ce trafic-là, c'est pas au petit gars qui copie. Je l'ai fait moi-même. C'est pas à lui qu'il faut s'en prendre. C'est plutôt à ceux qui fabriquent des copieurs de salons et des CD vierges. Si vraiment vous avez envie de faire quelque chose. Il y a du bon sens. Tout à l'heure, vous compariez ça à une petite amie. Moi, je veux dire, si vraiment on apprécie l'artiste, on achètera le CD original. Moi, j'ai beaucoup de gens qui, après avoir acheté une version CDR, se retournent ensuite sur l'original parce qu'ils le veulent, parce qu'ils apprécient cet album, etc. Et donc, comme vous dites, c'est une petite amie, mais moi, j'aime pas avoir une photocopie de ma petite amie, quoi. Je suis en partie d'accord avec vous. C'est clair que l'objet est quelque chose d'important. Et c'est vrai que là-dessus, on travaille beaucoup pour faire que les disques deviennent de plus en plus... des objets deviennent de plus en plus intéressants, quoi, et on crée vraiment les objets autour des disques. Maintenant, quand vous dites qu'il faut vous en prendre aux fabricants copieurs de CD, oui, on a un problème. Alors moi, je suis assez à l'aise pour en parler, parce que moi, j'étais, avant d'être président d'Universal, président d'une autre maison disque qui s'appelait Polygram et qui a été rachetée par Universal. Et Polygram appartenait à qui ? À Philips. Et c'est quand même très bizarre, Philips a signé la vente au mois de mars, et a lancé des copieurs CD au mois
de mai. Ça que préciser, ils ont vendu leur catalogue d'artistes. Ils ont vendu leur maison de disques et deux mois plus tard, ils lançaient le copieur de CD. Il y a... Alors, un hasard, sûrement. Il n'a pas voulu venir, le porte-parole de Philippe, son invité, mais il n'a pas souhaité s'exprimer sur ce plateau. Un hasard, sûrement. Bon, mais enfin, ça c'est une réalité. Maintenant, il est évident qu'il y a des nouveaux systèmes sur lesquels est en train de travailler l'ensemble de l'industrie, et pas seulement d'ailleurs l'industrie musicale, parce que là on parle aussi cinéma, on parle vidéo, on parle jeu. On est en train de travailler sur des systèmes de protection. Des systèmes de protection. Alors il y aura des systèmes de protection, puis à un moment donné ils seront piratés, hein. Et puis on trouvera d'autres systèmes de protection. Mais de la même manière qu'il ne peut pas y avoir un Canal Plus si tout à coup il n'y a pas des décodeurs, il ne peut pas y avoir de création si tout à coup il n'y a pas des gens qui la rémunèrent. Et c'est le principe même de toute l'industrie du loisir. Monsieur Ducoffaut-Fred, vous travaillez chez Pioneer, c'est ça? Tout à fait, oui. Vous fabriquez donc des graveurs de salons, comme ceux qu'on a vus chez Nathan. Est-ce que vous recevez les arguments de Pascal Nègre, qui finalement vous en veut presque plus à vous ou aux législateurs qu'aux petits pirates, si je vous ai bien suivi, Pascal? Je vous ai simplement rappelé que la copie privée est quelque chose de purement légal en France, à l'usage privé, et que sur les disques vierges, une taxe est versée à la SACEM d'1,50 franc par heure. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la copie privée représente 160 millions de francs dans les recettes de la SACEM. Donc je ne vois pas où est le problème. Pour vous, ça compense largement? Donc le vrai problème... Pour vous, ça compense largement? Ça compense largement pour ce qui est de la copie privée de disques audio. Le vrai problème qui semble s'exprimer ici, c'est la copie pirate revendue. Ouais. Et là, on n'est plus dans le cadre de la copie. On est dans un cadre de problèmes légaux. C'est un acte illégal. Et c'est un problème de police et de justice, c'est pas un problème d'ayant droit ou de fabricant. Si on vous demandait demain à ce que vos machines ne puissent copier qu'un seul album, C'est ce qui se passera avec le DVD. Ouais. On collabore très largement avec les systèmes d'antipiratage et d'anticopie de deuxième génération. Les prochaines générations de machines, dans 2 ou 3 ans, seront prévus dès le départ. Vous êtes en train de dire qu'il faut en profiter ou... Non, pas du tout. Les nouveaux standards qui sont en cours de développement prennent en compte complètement les problèmes de respect des ayants droit. Vous voulez ajouter quelque chose? Oui, il faut le juste prix d'un franc 50 aujourd'hui c'est 1,50 franc, bon, ce serait pour être un petit peu plus, mais il faut quand même préciser que la SACEM est en train de nous demander 14 francs par heure de taxes sur les CD vierges. 9 fois plus, oui. Ce qui nous semble un peu abusif, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, un CD vierge passerait à 30 francs. Et ouais. Je crois que... Nathan, c'est tout un commerce qui s'écroule, là. Voilà, donc, quel serait l'intérêt de graver un CD si on le payait 30 francs au départ, donc? Donc ça tuerait le commerce, et ça tuerait le piratage, alors? Tout à fait. Oui, mais la copie privée est un droit. Ceci dit... La copie privée est un droit, par ailleurs. Ceci dit, même s'il paye le CD vierge 30 francs et qu'il le revend 50, c'est toujours 3 fois moins cher que le CD dans le commerce. Hein. Mais là, on commence à se rapprocher du prix du produit original. Ceci et dit, le produit original, on peut y être attaché comme on peut être attaché à sa petite amie, ce que vous nous disiez tout à l'heure. Juste pour dire un truc sur les nouveaux systèmes qui vont sortir, aussi bien sur les fichiers de compression MP3 que les DVD, c'est pas parce que ça sortira que ça empêchera pas les gens de continuer à copier sur des CD audio comme aujourd'hui on continue à copier sur des cassettes. Ce qui compte, c'est la qualité. Ça oblitérera pas ce marché-là, quoi. On va continuer à développer avec Max, qui a donc été condamné au mois de décembre dernier, pour rappeler que là, on est en train de parler d'actes illégaux, comme le disait Pascal Nègre, et comme on l'a dit et répété à Nathan. Racontez-nous dans quelles conditions vous avez été arrêté par les forces de l'ordre. Comment sont arrivés les policiers? Donc, c'était sur mon lieu de travail. Donc, moi, je travaille dans l'informatique. Ils sont arrivés donc une dizaine d'inspecteurs, donc en costume, micro-ordinateur, etc. En tenue de ville, quoi, banalisé. Voilà. Comme quoi j'étais propriétaire de ce site-là. Si je reconnaissais être le propriétaire, donc moi je dis oui, aucun problème, c'est bien mon site, c'est bien moi qui l'ai créé. Donc, ils m'ont emmené au commissariat, où j'ai passé 24 heures en garde à vue. Donc, j'ai été interrogé un petit peu vers les 11h30, minuit, jusque vers 1h du matin. Le lendemain matin également. Après n'avoir pas dormi, puisque j'étais donc dans 1 mètre carré, c'était du carrelage. Pas de couverture, absolument rien. Donc j'ai passé la nuit comme ça. Après, donc, interrogatoire à nouveau. Et puis, bon, on m'a dit que ce serait jugé vers la fin de l'année. Et puis après, bon, j'ai plus trop de nouvelles. Donc j'étais jugé au mois de décembre, au mois de novembre plutôt. Combien de mois après, alors? C'était quasiment 6 mois plus tard. Vous oubliez la perquisition?
Oui, il y a effectivement une perquisition chez moi aussi. Donc, deux inspecteurs sont venus avec moi à mon domicile. Vous habitiez chez vos parents ? Tout à fait. Je vous drague pas en disant ça. Okay. Non, bon, ils sont venus comme ça, chercher un petit peu partout. Vos parents ont dû avoir un peu peur, non ? Voilà, ils sont arrivés pendant la perquisition. Vos parents ? Voilà, parce que c'était vers le soir, donc ils rentraient du travail. Donc, ça leur a fait un petit peu bizarre, quand je leur ai dit quelles étaient ces deux personnes. Donc, ils ont regardé un petit peu partout dans la maison, cherché les ordinateurs, ensuite cherché sur mon ordinateur personnel. Bon, ils ont trouvé ni MP3, ni quoi que ce soit. Ils cherchaient quoi, qu'est-ce qu'ils cherchaient ? Voilà, ils cherchaient des fichiers MP3. Ils cherchaient également des fichiers JPEG, donc ce sont des fichiers d'images, pour les jaquettes des CD. Puisqu'ils reprochaient à la fois la mise à disposition de la musique. Oui, qu'on parle à peu près, Nathan, là. Mais également des pochettes. Donc, ils cherchaient tout ça. Bon, ils n'ont rien trouvé. Le procès, donc, quelques mois plus tard, comment vous l'avez vécu, ce procès ? C'est assez difficile à dire. J'avais un petit peu l'impression d'assister, justement, au procès, d'être au-dessus, de regarder ce qui se passait. De ne pas être l'accusé, quoi. Voilà. Vous êtes expliqué pendant le procès ? Vous avez expliqué sans votre démarche ? Voilà, j'ai expliqué ce que c'était. Bon, on me reprochait donc de mettre à disposition de tous les pirates des albums qu'ils pouvaient à loisir copier, vendre, etc. J'insistais beaucoup sur le caractère très facile, très rapide et gratuit. Donc moi j'essaie un petit peu d'expliquer qu'en réalité il y a quand même un certain temps de téléchargement. Comme on disait, il faut bien 20 minutes pour une chanson. Donc un album complet, connexion internet, c'est pas gratuit. Il y a quand même un coût. Donc celui qui veut le télécharger, c'est pas complètement gratuit pour lui. C'est un prix. Ouais. Voilà, c'est un prix. Bon, ça explique pas. Le tribunal vous a compris ? Vous a écouté ? Oui. Et puis vous avez été condamné quand même ? J'ai quand même été condamné à quasiment 140 000 francs de dommages et intérêts et 3 mois de prison avec sursis. Vous attendiez un jugement pareil ? Absolument pas. Absolument pas. Bon, j'avais vraiment du mal à réaliser. Vous avez fait quoi avec les 140 000 francs, Pascal ? Non, c'est en fait, si je ne m'abuse, dans cette histoire, il y avait l'Assasem et les producteurs. Bon, alors, humainement, je suis désolé, quoi. Qu'est-ce que je vous dise ? C'est horrible, le type qui porte plainte et qui après dit « je suis pardon, mais je suis désolé ». Mais vraiment, à la limite, si vous êtes bon informaticien, ça va être le cas, venez travailler avec nous, on va faire plein de choses sur des sites, et vous allez vous marrer, vous allez gagner un peu d'argent, et au moins, vous ne finirez pas là aussi, barbu, et en train de faire un chèque. Mais... Et franchement, désolé, mais c'est vrai qu'il y a un vrai problème aujourd'hui avec MP3 sur Internet. Et que si je dois prendre un autre exemple, MP3, c'est un peu... vous avez une voiture, j'en ai pas, ben génial, la porte est ouverte, je prends la voiture, votre voiture, et je vais l'utiliser. Et c'est exactement la même chose. Mais on a un peu l'impression que c'est tombé sur lui, parce qu'il fallait bien que ça tombe sur quelqu'un. Ben, il faut bien que ça... Effectivement, mais c'est tombé sur lui, ça aurait pu tomber sur... tous les petits Nathan. Oui, mais est-ce que mon sentiment... Vous êtes le seul en Europe à avoir été condamné, hein, je vous rappelle. Oui, c'est le premier, rassure. Ouais, le seul. Oui, pour l'instant. Mais malheureusement, c'est désolé de le dire, mais j'ai l'impression que c'est avant, après. Quoi. Ce que je veux dire, c'est avant, c'est... Ouais, ça, alors, avant. Vous, c'était pas du business. Mais c'est, ouais, génial, je gagne un peu ma vie, je suis malin. Et puis après, c'est après. C'est pas très drôle. Bon. C'est triste, mais c'est la réalité. Comment vous faites pour les rembourser, les 140 000 francs ? Je me pose toujours la question. Je sais absolument pas où c'est que je vais trouver à cet argent-là. Ça vous dissuade pas de continuer, Nathan, d'entendre ce que Max a pris comme dommage d'intérêt, c'est quand même beaucoup. Non, vous dire que vous risquez Max, gros non. Par rapport à ce que vous gagnez, non ? Par rapport à Max, non, parce que lui, c'était pas le même support qu'il utilisait. Il utilisait Internet. Donc sur Internet, il est beaucoup plus visible. moi, c'est sur le lycée, donc ça sort pas des murs du lycée. Et c'est très local, donc... Mais ce que vous entendez là, ça vous fait plutôt flipper ou pas ? Non, honnêtement, non. Parce que je pense que l'État, dans une certaine mesure, se voile la face parce qu'il prend sa marge sur les graveurs de CD, il prend sa marge sur les CD vierges. Mais sur les albums vendus, par exemple, la TVA est de 20,6 voilà, encore. Donc déjà, la TVA à 20,6, si elle était à 5,5 comme les livres et les produits culturels, peut-être que déjà le phénomène serait moins important. Mais bon, ça ne m'appartient pas de le décider. Mais bon, ça ne vous beaucoup... empêcherait pas d'être condamné, Nathan, si vous faites choper. Hein, vous le savez. Oui, je comprends bien, mais bon... Et vous risquez, comme Max, une peine symbolique, même si c'est un petit, de prendre beaucoup, quoi. Je sais bien.
La parole à André Bertrand qui est avec nous dans cette assemblée. Bonsoir. Bonsoir. Monsieur Bertrand, vous êtes avocat et auteur du Que sais-je intitulé L'Internet et le droit. Plusieurs milliers de sites français proposent un service comparable à celui pour lequel Max a été condamné. Comment expliquez-vous que Max et son co-accusé soient actuellement les seuls à avoir été condamnés en Europe ? Ben, je pense qu'on avait effectivement voulu faire un exemple, mais je crois qu'il y a une évolution technologique et demain le MP3 est quelque chose qui va se généraliser. Et en fait, les sociétés comme celle de Pascal Nègre sont déjà elles-mêmes en train de s'intéresser au MP3. Je dirais, on commence à faire des contrats tout à fait officiels et on négocie aujourd'hui avec la SACEM pour pouvoir mettre de la musique à disposition du public en MP3. Donc je crois qu'il ne faut pas critiquer MP3 qui est juste un moyen technologique. Maintenant, il y a un problème d'environnement, effectivement, légal. Alors, comme vous avez pu le constater, la France... Le temps que l'environnement légal s'organise, le MP3 aura fait des dégâts et puis des petits gagnants. Non, je crois qu'aujourd'hui, les personnes comme Max sont un peu des précurseurs au sens où les producteurs de disques ont encore intérêt à rester sur la génération qui a un support, puisqu'on peut facturer un peu plus. La grande question demain, c'est quand on va dématérialiser, en fait, l'accès à la musique... on sera obligé d'appliquer un tarif et ce tarif va être minime. Je donne un exemple. Aujourd'hui, aux États-Unis, ce tarif a déjà été discuté. Il est à peu près de 42 centimes. Donc, 42 centimes pour faire quoi ? Pour copier une chanson. Alors, MP3 ne veut pas simplement dire contrefaçon. Demain, les artistes qui vont s'autoproduire pourront mettre tout à fait licitement leur propre composition musicale à la disposition du public. Je crois que c'est aussi une révolution technologique au sens où ça va permettre à de jeunes artistes de s'autoproduire et de mettre leurs compositions de la même manière que des auteurs vont pouvoir mettre leurs manuscrits à la libre disposition des gens. Après, tout le problème est de réussir à les faire connaître, parce qu'Internet, c'est gros comme ça, et ils ont intérêt à être un peu connus ou sur des sites connus pour pouvoir trouver de l'autre côté celui qui pourrait devenir leur lecteur, leur auditeur, leur client potentiel. Effectivement, je pense que dès qu'ils seront connus, ils feront payer à ce moment-là peut-être l'accès à leur site, à leur chanson, je dirais, MP3. Mais là encore, la frontière entre le licite et l'illicite est très mince. On voit les exemples qui ont été donnés, je crois qu'il faut rappeler effectivement que la copie à usage privé est parfaitement licite. Et je crois que le meilleur exemple, si on prend Nathan. Je dirais Nathan qui fait lui 50 copies, il est effectivement dans l'illégalité, il risque des Qu'est-ce peines. Qu'il risque ? Alors, sur Est-ce le papier, qu'il y a des pirates comme lui qui ont déjà été condamnés par exemple ? Dans le domaine des logiciels, énormément, c'est évident, moins dans les domaines, je dirais, de musique type MP3, puisqu'on n'a effectivement qu'un premier cas, mais en matière de logiciels, il y a eu énormément de personnes, y compris d'étudiants, qui ont été condamnés pour avoir vendu des logiciels piratés. Alors, sur le papier, je dirais, le tarif, c'est 2 ans de prison et 1 million de francs d'amende. Là-dessus, vous devez rajouter maximum, les dommages-intérêts. Oui, c'est le maximum. Alors, bien entendu, quand c'est une personne qui n'a pas de casier judiciaire, elle est généralement condamnée la première fois à 6 mois de prison avec sursis, 50 ou 100 000 francs d'amende et des dommages-intérêts. Alors, bon, quand c'est un petit jeune qui essaye de plaider un peu, je dirais qu'il ne recommencera pas, ce sera peut-être amené à 2 mois, effectivement, de prison avec sursis. Qui fera s'il recommence ? Ça pourrait être, oui, et ça pourrait être plus grave, parce qu'on est dans des domaines où, en cas de récidive, les peines sont doublées, il faut le savoir, c'est le code... pénal. Et il faut savoir qu'un contrefacteur professionnel qui aurait une entreprise pourrait même voir son entreprise fermée s'il est récidiviste. Richard, vous êtes commerçant spécialisé dans les jeux vidéo. Est-ce que vous vendez des CD vierges ? Non. Non, pas du tout. Non. Vous pourriez en vendre ? Vous avez une demande ? Il y a une demande pour ça ? Oui, oui, tous les jours, 10 fois par jour. Depuis le mois de mai, en fait, votre chiffre d'affaires baisse régulièrement. Mmh. Dans quelle proportion ? 30%. D'accord. D'où vient votre certitude que cela vient du piratage ? Bah déjà, je m'aperçois que je suis mauvais parce que je n'ai pas amené de catalogue. Ouais. Donc, et que le jeune est plus commerçant que moi, apparemment. Vous en connaissez, vous ? De quoi, des pirates ? Ouais. Non, parce que je m'en fous, à vrai dire. Ce n'est pas mon problème, puisque moi, je suis... disons que je suis le méchant qui vend les CD, je vends du jeu, donc... Cher. Cher, oui, non. Et puis en plus, l'aspect économique, moi, je ne suis pas tout à fait d'accord parce que justement, on a créé, en tant que commerçant indépendant, on a créé des systèmes qui sont intéressants, qui ont fait baisser à la fois les prix des jeux neufs, d'ailleurs, et qui permettent, par l'échange, l'occasion, etc., de quand même baisser le coût des jeux. Hein. Florian, est-ce que c'est aussi facile de copier un jeu que de copier un CD audio ? Un jeu sur CD-ROM, c'est assez simple. Un jeu sur console, que ce soit celle qu'on connaît, c'est un peu plus compliqué, mais tout est possible. Ouais. Et faisable. Et on en trouve dans le commerce pour quel prix à peu près ?
Des jeux pirates. Ouais. Pirates, on peut les trouver gratuitement sur Internet, pour peu de chercher, pas trop mal. De les télécharger, parce qu'en fait, on les télécharge sur son ordinateur, on les met sur un CD-ROM et c'est parti, quoi. Donc ça, c'est gratuit. Et puis après, au niveau des prix de vente, ça peut varier, mais c'est rien. Mais les jeux vidéo, c'est pas très cher, donc la marge est pas énorme, quoi. Donc vous savez qu'il y a des... Enfin, vous avez observé, en regardant la réduction de votre chiffre d'affaires, C'est clair, il y a une baisse de fréquentation, c'est-à-dire le client vient moins souvent, parce que bon, nous, comme je vous parlais du système d'échange, là, quand le gars il achète un jeu, il revient, il l'échange, ça lui coûte moins cher, etc. Là, il ne le fait plus, parce que bon, pour le prix de l'échange, il va avoir le jeu qu'il va garder. Bon, est-ce que c'est bien, pas bien, il y a un phénomène de mode, bon, ça atteint des jeunes qui sont... Si tu payes le prix, tu n'as rien compris, quoi. Voilà, t'es un con, voilà, en clair. Hein, Qu'est-ce que vous entendez par phénomène de mode? Vous voulez dire autre chose? Non, un phénomène de mode, c'est ça. C'est-à-dire que je suppose que dans les lycées, le jeune qui va acheter son jeu, il est ringard, il n'a rien compris. Ouais. Donc, il y a beaucoup de ça. Mais moi, ce qui m'inquiète, c'est... on n'en a pas parlé là, c'est les parents, quoi. Moi, je suis quand même effaré, parce que, bon... Le jeune homme là-bas n'en a pas fait cas. Bon, lequel? Parce que j'en ai trois. Moi, je me mets à sa place parce que je sais pas, je pourrais peut-être être le père de tous ceux qui sont là. Mais... Et ça me fait peur, quoi. Je me dis, demain, mon fils, il se retrouve... enfin bon, je pense pas, vous ne laisseriez pas faire votre enfant s'il faisait tout, comme Nathan? Pas du tout. Mais comment les parents peuvent accepter ça? Enfin, moi, je suis dépassé complètement. C'est-à-dire laisser un enfant prendre des risques, selon vous? Enfin, un enfant... Des risques, oui. Puis, je sais pas, c'est une question de mentalité, je pense, en plus. Parce que c'est pas... on voit tout à fait que, bon, c'est pour se faire des sous, clair, voilà, ça va pas plus loin. Et il y en a plein de jeunes qui sont... D'ailleurs, on se demande... Mais vous travaillez qui... aussi pour vous faire des sous, et ça va pas plus loin. Hein, oui, non, mais je veux dire, au départ, c'est normal, quand même, ouais. Vous aussi. Ouais. Lui, au départ, il va à l'école, lui. D'accord. Alors, pour le travail, d'ailleurs, ça sera beaucoup plus dur, parce que je dirais qu'il est très sympathique, il pourrait même, si ça se trouve, être un bon vendeur, que je pourrais embaucher, mais il faut dire que ces petites conneries m'ont fait licencier deux de ses copains. Enfin, ouais. C'est peut-être pas ses copains, mais c'est des jeunes comme lui qui sont rentrés dans la vie active. Et, vous-même, vous avez dû baisser votre salaire? Bah oui, de toute façon, c'est la première chose qu'on fait quand on est un commerçant à peu près normal, je dirais. Le patron baisse son salaire. Bah, ça commence par là, oui. Vous pourriez mesurer l'ampleur du préjudice que vous avez subi en 8-9 mois? De quoi? En termes de chiffre d'affaires? Oui, en termes de chiffre d'affaires, ce que vous n'avez pas vendu, par exemple, ce Noël dernier par rapport au Noël 98? Oui, bah, 500 000 francs. Sur l'année. Ouais, ça fait une somme, quand même. Hein. Vous dire quelque chose, Mathieu? Oui, une petite question, savoir si vous vendez des CD pour console. Oui, pour console, oui, tout à fait. Parce qu'il y a un truc que j'arrive pas à comprendre, ouais, c'est que... Ceux qui posent des puces, mais voilà. Je suis pas... Ouais, parce qu'il faut expliquer... Pour copier un CD qui fonctionne sur une console de jeu, il faut d'abord modifier la console. Et ceux qui modifient la console, entre autres, ce sont les revendeurs de jeux. C'est vrai? Il y en a, oui. Des revendeurs officiels, on parle. Qui ont pignon sur rue, enfin des... On peut acheter sa console et dire « modifiez-la moi » pour qu'elle accepte les jeux piratés. Non, mais c'est clair. Mais je ne défends pas non plus ces commerçants-là. C'est quelque chose que je n'arrive pas à comprendre. Il faut le fait clair. Pas, lui. Moi, je ne le fais pas, personnellement. Non, il n'y a pas d'apparemment, c'est sûrement. Que vous répondent les parents et les enfants à qui vous en parlez en disant « c'est en train de tuer le petit commerce, par exemple moi », etc. Que vous répondent? Ben, au départ, d'abord, les parents, je pense qu'ils n'ont pas trop conscience, quoi. Les parents avec qui j'en parle, déjà, ils sont un petit peu étonnés. Et quand on leur dit, bon, ils disent « Ah oui, c'est vrai que... pourquoi il faut modifier la console ?» Et c'est parce qu'on vient pour me demander, bien sûr, de modifier la console. Et là, c'est là où je réagis. Je dis « Mais attendez, pourquoi faire ?» Vous avez déjà copié un jeu vidéo, Nathan ? Moi, j'en ai fait quelques-uns, mais c'est très minime par rapport au CD audio. Donc je ne porte pas tellement préjudice à monsieur, mais je voudrais revenir sur une chose qu'il a dit à propos du phénomène de mode. Ouais, est-ce que c'est vraiment un phénomène de mode? Ah bon. Parce qu'un phénomène de mode, ça a une durée limitée. Mais ce genre de choses, ça durera tant que le CD existera. Mais le côté, si tu payes le prix, tu es vraiment un ringard, ça existe ou pas ça? Non, pas du tout, non. Non, c'est l'aspect économique qui prévaut. Voilà, tout à fait. Vous êtes d'accord, Mathieu? Mais c'est une prise de conscience, quoi. Plus ça va, plus les gens se rendent compte que bon, il existe cette possibilité, donc... Tout le monde va petit à petit se tourner vers ça parce que tout le monde n'a pas les moyens. Quoi. Max, c'est ça aussi le sens d'Internet, c'est rendre le consommateur consommateur, le rendre plus responsable, à l'affût des bonnes affaires, beaucoup plus qu'auparavant. Il y a l'aspect information qui est intéressant, et l'aspect aussi test. Tous les éditeurs mettent, quasiment tous les éditeurs de jeux, choses comme ça, mettent des versions d'évaluation sur Internet qui sont téléchargeables.
Et après, on peut acheter le jeu si on est intéressé. D'accord. Oui, donc, se servent d'Internet, tous les éditeurs se servent d'Internet pour diffuser des. Non, mais de l'autre côté, vous avez l'impression que Internet et tout ce qui l'entoure fabriquent ce qu'on appelle des consommateurs, c'est-à-dire des gens qui sont plus passifs comme devant un écran de télé, ils le sont de moins en moins, mais actifs comme devant un écran informatique. Absolument, les gens sont beaucoup plus actifs puisqu'ils agissent, ils vont visiter le site qu'ils veulent, ils cliquent sur les liens qu'ils veulent, alors que la télé, bon, on est assis devant et puis les images passent. On parle devant, comme dans cette discussion. Les gens regardent la télé, mais en parlant devant. Mmh. On va maintenant voir un reportage dans lequel vous nous montrez, Mathieu, entre autres, comment vous fabriquez une fausse vignette ou un faux code-barre avec votre ordinateur. Vous êtes fixé certaines limites, dont celle de ne pas porter préjudice à des petits commerçants, justement, comme Richard. Vous êtes toujours d'accord avec ce que vous nous avez dit en préparant l'émission? Oui, bien sûr. Hein. Oui. Je veux pas attaquer le particulier, c'est pas. Qui vous inspire son point de vue à lui, alors? Ah, je comprends tout à fait. Mais ce que j'aurais peut-être envie de lui dire, c'est. Bon, c'est comme ça. On ne peut rien y faire, quoi, vraiment. Il faut peut-être. Pour vous, c'est le sens de l'histoire, quoi. C'est... Ouais, vraiment, quoi. Richard? Voilà, non, ce qui est gênant, c'est cette. Quand on est commerçant, on a de la concurrence, c'est clair. Hein, il y a de la concurrence contre laquelle on peut se battre. Et là, c'est un peu frustrant parce que. Enfin, moi, personnellement, je me trouve frustré parce que je ne peux pas combattre cette concurrence. Mais on est tous frustrés parce que c'est une concurrence déloyale, mais c'est la loi qui nous pousse à. Quelle loi? Allez, le fait qu'on ne puisse pas faire autrement qu'être hors la loi si on veut s'en tirer un peu mieux quand on n'a pas les moyens, quand on n'est pas dans une certaine classe sociale, pour avoir accès à certaines choses dont on nous balance des images tout le temps, dont on nous tente. Je propose maintenant de découvrir donc le travail de Mathieu, qui, sans être repenti, s'est beaucoup calmé par rapport à ses activités passées. Oui, bien sûr. C'était une période difficile, donc j'ai fait ce qu'il fallait pour survivre. Voilà. Et vivre même à peu près correctement. Voilà. En profitant des biens de consommation dont vous aviez envie de profiter. Voilà, sans scrupule. Voici donc ce reportage où nous faites profiter de votre savoir-faire, Caroline Chevalon et Benoît Grimont à la réalisation. Mon premier faux, ça a été dans Cavalier Cinéma. C'est eux qui m'ont donné l'idée d'ailleurs, puisqu'ils ont fait des cartes de fidélité. Donc on avait un tampon à chaque film et au bout de 10 films, il y en avait un gratuit. À l'époque, j'étais au lycée, donc j'ai vite pensé à refaire le tampon, en fait. C'était tout simple, c'était CGR, en rouge, donc sur une carte. Sur une gomme avec un stylo rouge, je l'ai fait à l'envers sur la gomme, et après, il me suffisait de mettre un coup de gomme sur la carte pour avoir un tampon CGR. Donc j'ai commencé à faire ça pour moi, puis ça a fait rigoler les autres, je leur ai proposé, puis j'en ai vendu quelques-uns, parce que la demande commençait à être importante. Donc, ça a été mon premier petit commerce de faux au lycée. J'ai fait aussi, puisque j'aime bien aller à la montagne, j'aime bien faire du ski, j'aime bien aller au ciné. Donc, comme les CGR ne faisaient plus les tampons pour avoir un film gratuit, j'ai fait des fausses cartes étudiantes, puisque j'étais plus étudiant, qui me permettaient d'avoir les tarifs réduits étudiants au ski, au cinéma. Et ça intéressait tous ceux de mon âge qui n'étaient plus étudiants. Et pareil, ça c'est quelque chose de tout à fait abordable à faire, une carte étudiant. L'original, on le scanne. Et une fois qu'il est scanné, on le recompose tout simplement en tapant du texte, puisque la plupart des cartes sont composées uniquement de texte. Donc voilà, je peux mettre le texte que je veux. Et ensuite, il suffit d'imprimer le recto et le verso. Voilà. Et de fil en aiguille, j'ai commencé à m'intéresser à tout ce qui pouvait me rapporter comme ça. Et donc, j'ai enchaîné sur la gravure de CD-ROM. Il faut un lecteur de CD classique et un graveur que je m'étais donc acheté. Il suffit de mettre un CD vierge dans le graveur et un original dans le lecteur CD. Alors, le CD que j'ai mis là, c'est une compilation qui sort tous les mois avec une liste de jeux et une liste d'utilitaires et de programmes du commerce. Donc de suite, ça a commencé à intéresser beaucoup de monde, tout mon entourage. Et donc j'ai commencé à faire ça à grosse échelle, ce qui m'a permis de me faire des bonnes fins de mois. Je pouvais me faire jusqu'à presque 5000 francs par mois de gravure de CD. Et comment on trouve les clients pour ce genre de commerce? De bouche à oreille, il suffit de rester un peu prudent et on touche beaucoup de monde. Ça veut dire quoi, rester un peu prudent? C'est-à-dire que si je vends un CD à quelqu'un et que ça intéresse un copain à lui, ben je vendrai toujours à la même personne, je n'irai pas voir le copain du copain. Ça restera par des intermédiaires. Après les CD, je me suis attaqué à
quelque chose de plus radical. Et donc, j'ai attaqué les fausses vignettes. C'est un peu plus complexe que graver les CD, c'est-à-dire qu'il faut scanner une vignette. Une fois qu'on a l'image de la vignette à l'écran, on recompose ce qu'on voit ici, là, c'est-à-dire un cercle avec un dégradé vert. Puis il faut retrouver les polices de caractère qui ont été utilisées sur la vignette. Donc voilà, j'ai scanné les numéros. J'ai donc le 0, le 1, le 2, etc. pour pouvoir composer ce genre de numéro. Qu'ensuite, je viens placer sur ma vignette et que je peux composer et changer à volonté. Voilà la vignette sur laquelle j'ai mis un film adhésif et donc que j'ai découpé à la bonne forme, ainsi que les deux S de sécurité pour avoir une vignette authentique qui est prête à être collée sur un pare-brise. Alors il y a eu un problème auquel je n'avais pas pensé et qui s'est présenté une fois que les vignettes étaient vendues, à savoir que l'encre se décolorait avec le soleil. Donc il a fallu à un moment que je refasse d'autres vignettes, gratuites cette fois, pour que ceux qui étaient victimes de ce défaut de fabrication puissent avoir une vignette à la bonne couleur. Ça vous a rapporté combien ? Les vignettes, ça m'a bien aidé, ça m'a permis de finir de rembourser mon crédit, ça m'a apporté 16 000 francs au total. Sachant qu'on vendait les vignettes moitié prix et qu'on a essayé de sortir et de vendre dans toutes les catégories de véhicules possibles. Après, j'ai eu besoin de reconfigurer mon ordinateur donc pour le mettre un peu au goût du jour. Donc il a fallu que j'achète du matériel et c'est un peu hors de prix. Donc j'ai trouvé un moyen, c'est que j'ai fait mes propres codes barres. Il m'a suffi d'aller dans un supermarché, relever un code barre d'un truc pas cher, un truc à 150 francs à peu près, entrer le numéro donc ici dans le générateur de code barre, qui lui va me faire un code barre qui correspondra à ce numéro. Et donc je me retrouve avec un code barre que je peux imprimer sur du papier autocollant, le découper, je peux retourner donc au supermarché pour le coller par-dessus le code barre du supermarché. Et ainsi, payer un article à 1600 francs, je colle un code barre à 150 francs dessus et je le paye donc 150 francs. Après, il fallait que je sorte avec mon produit, donc il fallait que je colle mon étiquette dessus. Donc je prenais toujours un caddie avec lequel je me baladais un peu dans la région, histoire de noyer le poisson et d'arriver à coller mon code barre sur le code barre du produit. J'ai acheté en même temps 2-3 bêtises à côté pour noyer un peu. Donc. Et après, il y avait le choix de la caissière. Donc j'essayais d'en trouver une pas trop jeune, qui n'ait pas trop l'air de s'y connaître en informatique, et ça suffisait. Il y avait un petit peu de stress au niveau de la caisse. C'était le plus excitant, on peut dire. Mais ce que je rêverais de réaliser, ce serait de pouvoir m'attaquer soit aux banques, soit aux assureurs. Puisque c'est deux choses. Bon, l'État, c'est déjà fait. Donc il me reste quand même les banques et les assureurs que je ne peux pas encaisser. Quoi. Donc, quelque chose dans ce domaine-là, ça me plairait bien. Bon. Alors, c'est grave, c'est mal. Pas bien. Non, mais c'est grave, sans rien. Voler l'État, c'est grave, c'est puni de grosses peines de prison. Voler un supermarché, on peut se dire qu'au bout d'un moment, indirectement, c'est le client qui va se retrouver avec une facture un peu plus salée. C'est bon. Grave. Non. C'est mal. Ça dépend où on se place. Quand on considère que l'État nous vole un peu tous les jours, hein. Enfin, c'est pas... Les banques et les assurances. Les banques et les assurances vous volent tous les jours, vous avez des impressions aussi? Ouais, c'est le principe de fonctionnement des banques et des assurances que j'ai du mal à encaisser. Ouais. C'est, tu payes tout le temps, payes tout le temps, et puis si tu as une petite embrouille, peut-être qu'on t'aidera, et encore. D'accord. J'aime pas trop ce principe. Alors je dis pas que j'ai la solution, hein, mais bon, je trouve que c'est quand même assez exagéré. Quoi. Vous savez que depuis la tempête, là, ces derniers temps, assureur comme couvreur, c'est des mots qu'on peut plus prononcer. Parce que ouais. Essayez d'en trouver un, là. Ça va pas être facile. Quand vous dites je pourrais le faire, vous dites pas je vais le faire, vous dites non, je vraiment, pourrais le faire. Quoi. Je suis pas rebelle à ce point, non. Vraiment, c'est... Qu'est-ce que vous pourriez faire? Comment vous pourriez voler les banques ou les assurances? J'en sais rien, c'est vraiment pour répondre à la question, qu'est-ce que j'aimerais? Il y a rien que j'aimerais, c'est pas un désir premier d'essayer d'arnaquer tel ou tel organisme ou tel établissement, enfin, c'est pas ça, quoi. C'est plutôt une nécessité... Voilà, Mathieu, dans un aspect un peu découvert, tu es toujours dans cet esprit de vouloir répondre aux questions posées, sans aller plus loin. Qu'est-ce que vous êtes techniquement capable de faire
et que vous ne vous autorisez pas à faire? Les faux billets, donc les billets de banque. Je ne m'autorise pas à faire ça parce que de suite déjà ça porte. Vous savez le faire? Vous pourriez le faire? Oui, enfin, j'ai essayé de le faire, j'ai eu un résultat assez concluant. Parce que la grosse difficulté, c'était le papier. Mais j'ai réussi à trouver un papier, en plus par hasard, hein, un papier qui vraiment se rapprochait énormément, quoi. Enfin, qui se rapprochait énormément du billet usagé. On avait beaucoup de mal à faire la différence, au toucher. Et à l'époque, il y avait... Sans dire quel papier, c'est un papier qu'on trouve dans le commerce, qu'on peut se procurer? Oui, je pense. J'en suis pas sûr parce que je l'ai trouvé par hasard et j'en ai trouvé une bonne rame. Donc, je ne suis pas allé plus loin, quoi. Mais je ne m'en suis même pas servi, quoi. Pourquoi je vous ne faites pas ça? Parce que c'est grave suite, et c'est mal. C'est mal, c'est très répréhensible. Et puis, c'est de suite atteinte à quelqu'un, quoi. Enfin, la seule utilisation que j'aurais pu en faire serait porter préjudice à un autre individu, quoi. Puisque vraiment, ce que j'aurais pu faire, ça aurait été un billet qui aurait pu être utilisé du genre dans une soirée, enfin, dans un concert, aller arnaquer le gars qui vend des sandwichs pour récupérer la monnaie. C'est-à-dire que la caissière de l'hypermarché, elle ne l'aurait pas laissé passer, c'est ça que vous dites? Ouais, je pense pas. Avec les détecteurs, ça ouais, passait c'est pas. Sûr, ouais. Est-ce que vous considérez comme un faussaire, Mathieu? Oui, je pense, ouais. Oui, oui, si, on peut pas le nier avec les vignettes. Et non, ouais. Pas de scrupules jusqu'à présent? Non. Pas de scrupules parce que c'est vraiment, c'était nécessaire pour moi, quoi. Pour vivre? Pratiquement, oui. Est-ce que vous comprenez qu'on vous considère néanmoins comme un voleur? Pas comme un voleur, non. C'est pour ça que j'attache de l'importance à ne pas arnaquer un individu. C'est parce que je ne suis pas un voleur. Un faussaire, je veux bien, j'accepte. Mais pas un voleur, non. Est-ce qu'il vous est arrivé d'avoir peur? Oui, presque à chaque fois. C'est plutôt un frein ou plutôt un moteur? Ouais, plutôt un moteur. Une petite motivation, une petite excitation qui... On posait la question à André Bertrand, qui a donc fait le que sais-je sur Internet et la loi, qui est avocat par ailleurs. Que risque Mathieu? Alors, je crois qu'il risque déjà beaucoup plus que pour les histoires de CD-ROM. On est en train de parler ici de falsification et de fausse monnaie. Au passé, évidemment. Hein. Comment? Au passé. Fausse monnaie, il a dit, il l'a jamais vraiment fait. Oui, mais en fait. Bon, on est à la limite, donc les qualifications changent, puisque vous... je dirais, on parlait à un moment donné éventuellement de fausse monnaie, mais sinon, on est dans la falsification, et donc le tarif, normalement, c'est également 2 ans de prison, 1 million de francs d'amende, et puis éventuellement des dommages-intérêts, parce que si je prends le cas des codes-barres, il y a effectivement un préjudice qui est soumis au détriment du commerçant, donc celui-ci peut réclamer en plus des dommages-intérêts, donc tout ça se cumule. Et le cas des vignettes? Là, c'est l'État qui pourrait effectivement également demander des dommages-intérêts. Au cas où monsieur le ferait encore, mais terminé. Non. Terminé. Mais j'ai même plus le temps encore. Non, c'est vrai, c'est parce que ça prend du temps à faire. Et j'ai fait ça justement parce que j'étais au chômage et j'avais besoin d'apprendre un métier qui me plaisait. Et donc j'ai mis tout en œuvre pour y arriver, quoi. Enfin, ça prend du temps. Donc, j'ai vu que les vignettes dataient de 97. Je n'ai pas fait le calcul, mais avec un peu de chance, ce sera un délit bientôt prescrit. Hein, donc il faut faire le calcul. Une bonne nouvelle. Bon. Serge Impich, comment vous réagissez en écoutant nos invités? Vous avez le sourire là, en écoutant Mathieu parler, en tout cas la dernière partie de la conversation. Oui, sur les trois, je trouve qu'il y avait 2 remarques à faire. La première, c'est qu'on pourrait faire un mix entre 2 personnes qui sont là pour trouver un danger encore bien plus important pour monsieur. C'est-à-dire qu'on pourrait à la fois compresser de la musique sous des formats MP3, disons qu'on divise leur taille par 20. Et en plus, on pourrait graver des CD avec ces MP3 dessus. Imaginez donc 20 albums sur un CD, vous en faites 20, vous avez tout de suite 400 CD audio sur quelques galettes. Les DVD vont bientôt pouvoir être gravés. Imaginez plusieurs milliers de CD audio. Non, on peut graver sur un DVD des CD audio et les écouter avec son PC. Imaginez plusieurs milliers de CD audio sur une seule galette copiée en un quart d'heure. Ça va faire mal sur le marché. C'est plus la peine d'avoir une discothèque, etc. En un quart d'heure, vous avez tout. Vous aimez pas tout dedans, c'est pas grave. Vous sauriez le faire, vous, ça? Alors là, c'est ma deuxième remarque, je vais répondre indirectement. C'est que je crois que tous les trois font essentiellement preuve d'astuce. Ils sont seulement utilisateurs des technologies récentes. En conséquence, leur nombre peut vraiment se répandre. Il n'y a pas vraiment d'obstacle à ça. Donc moi aussi. Vous êtes actuellement mis en examen, Serge, pour avoir contrefait une carte bancaire. Vous êtes placé sous contrôle judiciaire en attendant votre procès qui aura lieu très prochainement, le 21 janvier prochain. Oui. Vous nous avez dit, en préparant cette émission, que vous étiez le recordman du monde de cassage de clés informatiques.
Alors, qu'est-ce qu'une clé informatique et qu'est-ce qui vous permet de dire ça? La clé informatique, c'est l'équivalent de la clé d'un code secret, tout simplement. Hein, c'est un mot de passe, en quelque sorte. Donc, quatre chiffres pour une carte bancaire, par exemple? Voilà, dans mon cas, il y en a quand même dans les 96. Ouais. Donc, vous avez réussi à casser des codes avec 96 chiffres? Oui. J'ai appris par la suite que c'était le record du monde, effectivement. Comment vous est venue l'idée? Comment vous avez réussi d'abord à trouver la faille des systèmes bancaires pour reproduire des cartes à puce? Il faut déjà comprendre pourquoi j'ai commencé, hein, parce que simplement en observant comment c'était fait, une certaine connaissance de l'industrie aussi, j'ai vu que c'était faisable. Et quand vous comprenez que vous êtes capable de le faire, c'est difficile de ne pas essayer de le faire. Comment vous avez compris que vous étiez capable de le faire? L'observation du système, la génération de l'électronique, la manière dont ça semblait être conçu. J'ai particulièrement vu que beaucoup d'efforts avaient été faits vers la puce, et il semblait que peu d'efforts étaient faits sur la protection du terminal de paiement lui-même, qui semblait être vraiment un gros point faible sur l'ensemble. Le terminal de paiement est également capable, par vocation technique, à ne pas être tout le temps connecté à un ordinateur central. En conséquence, toute l'information devait s'y trouver nécessairement, et également qu'avec mes moyens de particulier, hein, moins de 5 000 francs de budget au total, je serais capable d'extraire tout ce qu'il me faudrait pour travailler. Petit à petit, les choses se sont mises en place parce que j'avais l'œil, et donc j'ai une première fois trouvé un moyen de me procurer un terminal de paiement dans un restaurant qui faisait faillite. Alors ça s'est étalé sur 4 ans de recherche, mais bon, pendant 6 mois, parfois, je ne faisais rien. Vous avez passé combien de temps devant votre écran pour trouver la solution? Je vais répondre mieux, il y a des parties très électroniques au fer à souder, un temps majoritaire de réflexion, vous n'avez besoin de rien, et puis également devant mon écran, pas mal. Ça doit s'étaler sur, je ne sais pas, 2 mois, quelque chose comme ça. Fer à souder pour la puce Non, pour faire des montages électroniques de manière à analyser le terminal de paiement, à le rendre esclave d'un système électronique que moi j'avais fait pour pouvoir déduire des choses, le tester, l'évaluer. Comment vous avez réussi à trouver la faiblesse du système? Je crois que je l'ai vu d'emblée, je reprends un peu ce que je disais, hein, je crois que je l'ai vu d'emblée dans l'ensemble de sa conception. La faiblesse du système, y en a-t-il? J'en ai trouvé certaines. Hein, je sais comment une carte que je trouve dans la rue, comment débiter de l'argent avec sans connaître le code, j'y arrive très bien. Il y a des faiblesses, mais l'ensemble du système, c'est pas vraiment une faiblesse. Hein, il y a quelques petits talons d'Achille dans lesquels on peut s'engouffrer, quoi. Il y en avait. Très étonnant, hein, d'ailleurs, pour un moyen de paiement de cette importance. Excusez-moi, je vous ai coupé. Vous dites que vous l'avez entièrement rendu obsolète. Oui, c'est-à-dire que là, c'est caduque, il faut passer à autre chose, quoi. Il faut entièrement refaire la chose aujourd'hui, à divers niveaux, parce que j'ai passé diverses étapes importantes, hein, en particulier le terminal de paiement, il va falloir revoir son électronique, donc il faut les changer, hein, faut pas rêver. Suite à mon affaire, ils ont commencé. Il va falloir revoir l'algorithme qui se trouve dans la puce, hein, parce que le principe de mettre une puce sur une carte reste un bon principe. Ce qu'ils ont mis dedans, vraiment, ça fait très longtemps qu'ils auraient dû le faire évoluer. Et également, je crois que on a évolué aussi sur les niveaux de cryptage qu'avant on considérait comme sûrs et qui aujourd'hui, évidemment, ils ne le sont plus. Si vous êtes aujourd'hui mis en examen, sous contrôle judiciaire, laissé en liberté, c'est aussi parce que c'est vous qui avez été, laissé en liberté notamment, c'est parce que c'est vous qui avez été vers le groupement des cartes bancaires pour leur montrer votre découverte, pour leur dire attention, là vous êtes faible, là vous êtes faible, et donc vous êtes en danger. Quelle était la réaction du groupement? Eh bien, nous sommes allés voir pour faire une transaction industrielle tout à fait normale, et ils nous ont reçu, ils ne nous ont pas cru. Ça leur passait absolument impossible. Vous, vous étiez prêt quoi, à livrer les chemins par lesquels vous étiez passé, en échange de quoi vous demandiez un peu d'argent? On allait discuter, tout simplement. Mmh. Ils auraient pu nous dire, écoutez, on n'est pas intéressés, ils n'en parlaient pas non plus pour des raisons de sécurité, au contraire, ils nous ont su, etc. Ils nous ont demandé de avoir. C'est pour ça que je suis allé faire une démonstration. C'est-à-dire que donc, j'ai acheté ces fameux tickets de métro. Quelques carnets de tickets de métro dans différentes stations pour montrer que ça fonctionnait dans différents endroits. Et je leur ai donné, là, c'était clair, leur système était à l'eau. Ils étaient perdus. Donc on sait maintenant qu'ils ont une panique gigantesque chez eux, qu'ils ont vraiment remué ciel et terre. Donc nous étions en contact avec eux, hein, contact industriel. Alors ils ont
ça a été au point de rédiger un contrat de cession de savoir-faire et de confidentialité qui existe, qui est dans le dossier aujourd'hui. Eux-mêmes ont amené leurs juristes, nous avons amené nos juristes, enfin j'envoyais des avocats, tout ce qu'il fallait, même si moi je n'y allais pas personnellement. Et le contrat a été discuté par les juristes de part et d'autre. Est-ce que vous auriez pu vider des distributeurs automatiques de billets dans toute la France sans que personne s'en aperçoive ? Oui, certain. Vous avez essayé ? Non, non. Non, non. Comment vous avez fini par être arrêté ? Ils m'ont cherché, ils ont mis de très gros moyens pour me trouver. Oui, parce que c'était donc vos avocats qui étaient chargés de la transaction, donc il y avait des intermédiaires. Oui, oui, oui. Ils ont mis des très gros moyens, ils ont fini par me trouver parce que j'avais déposé quelque chose à l'Institut de la propriété industrielle. C'était un premier point qui les aidait à me retrouver, et puis avec des numéros de téléphone, etc. Beaucoup de filatures, beaucoup de moyens. Ils m'ont suivi très longtemps. La police ou les enquêteurs privés ? La police. Je sais que je me garais tous les matins entre 2 et 4 minutes sur le parking. André Bertrand, à votre avis, que risque... Moi, j'ai une autre observation, par contre, qui est un peu marginale, mais qui, à mon avis, est également importante. Je crois que le nombre de... Bon, c'est un cas très particulier d'une personne qui a réussi à casser, effectivement, le système de la carte à puce, entre guillemets. Il y a, et c'est, pas, aussi... c'est pas le plus idiot de sa rue, on peut le préciser. Non, moi, je pense qu'effectivement... de tas de sociétés voudront certainement l'employer. Il y a également des fraudes qui sont beaucoup plus connues, un peu plus communes sur tout ce qui est piste magnétique ou reproduction de cartes bancaires. Mais ce qui est important, je crois que c'est là encore pour dissiper les clichés, le montant des fraudes par des fausses cartes ou des manipulations de distributeurs de billets, etc., ne représente que 2% de l'argent que les banques perdent. Il faut savoir qu'en réalité, 98% que les banques perdent à travers les cartes de crédit, vient des banques elles-mêmes qui donnent des cartes de crédit à des gens qui sont insolvables, et le nombre de personnes qui n'arrivent pas à rembourser en réalité les banques dépasse très très largement celui de l'argent qui est détourné par, des falsificateurs. Ouais, ou des autant qu'on le sache, hein, parce que les banques ont intérêt à se protéger quand même, Serge, j'imagine qu'elles ne nous disent pas toute la vérité. Alors aujourd'hui, une chose est certaine, c'est que la carte n'étant pas modifiable pour des raisons de sécurité, moi j'ai toujours la même dans la poche. Cela implique qu'ils n'ont pas changé leur système. Ça, je suis absolument affirmatif, et n'importe quel technicien qui regardera pourra le confirmer très facilement. Ouais. Je demande à Pierre Delval, qui est notamment un ancien responsable de la sécurité du groupement des cartes bancaires, de venir nous rejoindre, et éventuellement discuter avec vous, Serge. Pierre Delval, s'il vous plaît. Sous les applaudissements de 102, ça a tous nous réveiller. Bonsoir, enchanté. Bien que j'assois à côté de M. Nègre, au milieu. Non, de l'autre côté plutôt. Ça, c'est pour Florian. Pierre Delval, vous êtes donc directeur technique en charge des documents fiduciaires, donc tout ce qui a rapport de près ou de loin à la monnaie, oui, à l'imprimerie nationale, mais aussi donc ancien responsable de sécurité du groupement des cartes bancaires. Est-ce que vous croyez, vous, à la découverte de Serge ? Écoutez, je crois que ce qu'on peut dire déjà, c'est que ce que l'homme peut faire, l'homme peut le refaire. Donc, il n'y a pas de sécurité maximum. Et je pense qu'à partir du moment où on a des compétences techniques, à partir du moment où on a de la curiosité, à partir du moment où on sait analyser un problème, je pense qu'il y a toujours possibilité de trouver des solutions. Pas toutes les solutions, mais de trouver des solutions. Le cas de figure de monsieur est assez intéressant parce qu'il permet de démontrer qu'à l'heure actuelle, il y a toujours nécessité d'aller très loin dans l'investigation, d'anticiper sur les éventuels fraudeurs, donc d'essayer de rechercher toujours avec, on essaie en tout cas, 5 ans d'avance sur les fraudeurs, de trouver des nouvelles technologies. Je pense que ce qui est intéressant quand même d'examiner, c'est que le groupement des cartes bancaires a commencé de lancer la carte à microprocesseur, donc la carte à microcalculateur bancaire, donc en 86. Hein, 87, c'était une carte à puce, ça ? Carte à puce. Ah, d'accord. Ouais. Et 86, donc 87, déploiement de la carte à puce en France. Il faut savoir qu'en 1987, il y avait 300 millions de francs de fraude par contrefaçon, falsification sur les cartes bancaires qui, à l'époque, étaient des cartes bancaires à piste magnétique. Et qu'aujourd'hui, on est arrivé à des fraudes qui sont de l'ordre de quelques dizaines de millions. Je parle en contrefaçon, falsification. Je donc ne beaucoup parle moins pas, qu'avant, alors. Beaucoup moins qu'avant. Avant, ça représentait grosso modo 0,11% du chiffre d'affaires de cartes bancaires. Aujourd'hui, ça représente 0,012%. Donc, c'est comment ça se fait, Serge ? Grâce à la carte à puce.
Je suis probablement le premier qui passe, enfin, au dire de la police. C'est pour ça. Et ça montre aussi qu'ils ont besoin d'une bonne protection par puce contenant un processeur. Il faudrait qu'ils essaient de garder ça. C'est le service que vous leur proposez, en fait, si j'ai bien compris. Oui, bien sûr. Ce que je peux vous dire à l'heure actuelle, c'est qu'il existe des équipes qui sont spécialisées dans la mise en œuvre de ce qu'on appelle le cassage d'un système. Donc, par exemple... Depuis Serge Non, bien avant. Et des grands émetteurs internationaux de cartes bancaires, de cartes de crédit, à l'heure actuelle, constituent des équipes qui travaillent actuellement sur la même approche que monsieur. Vous comprenez la réaction du groupement des cartes bancaires ? Oui, je les comprends, parce qu'ils ont une approche, je dirais, extrêmement épidermique par rapport à toute personne qui voudrait attaquer le système. Qui m'étonne. Donc, c'est une démarche tout à fait naturelle de la part des représentants du groupement des cartes bancaires. Je pense qu'à l'heure actuelle, si on trouvait une solution qui permettrait d'attaquer les systèmes que nous mettons en œuvre à l'heure actuelle en France, sur les documents de très haute sécurité, il est clair que même pour une démonstration diverse ou variée, on peut avoir une réaction épidermique. Enfin, je serais même très intéressé de voir techniquement quelle était l'approche de monsieur sur le sujet, parce que je crois que, quelque part, il y a sûrement un paramètre qu'il a dû chienter, si je puis dire, mais il n'y a pas un paramètre de sécurité dans un système quel qu'il soit. En tout cas, dans le système de cartes bancaires, il y en a un certain nombre. Donc, ce serait intéressant de voir de quelle manière vous pouvez approcher le problème. Est-ce que vous pouvez répondre dans les grandes lignes en faisant en sorte que tout le monde vous comprenne ? Dans les grandes lignes, si vous avez plein de barrières à passer, si vous montrez que vous arrivez au bout, c'est que vous les avez passées toutes. Moi, j'ai montré que je pouvais faire des achats dans des lieux publics. Donc, j'ai passé suffisamment de barrières pour... Et vous pouvez prouver qu'avec n'importe quelle carte que vous trouvez par terre ou avec n'importe quel code auquel vous avez accès... Ça, c'est une faille que j'ai vaguement évoquée. C'est une erreur de conception de débutant, presque. Vous n'avez pas l'impression que vous devez les humilier un peu en leur parlant comme ça, quand même, non ? Vous ne souriez pas souvent. À l'intérieur, on sent que ça rigole, arrive. Mais à l'extérieur, vous êtes quand même... Ça arrive, moi, quand j'ai trouvé que leur système avait pris un sérieux coup de vieux, il avait quand même tenu assez longtemps, c'est pas mal, hein, d'avoir tenu. Eh ben, je dis, ça arrive, après tout, dans l'industrie, que quelque chose devienne obsolète. Moi, de manière tout à fait confidentielle, on aurait collaboré, on aurait fait un meilleur système, où j'aurais vérifié que ça tenait mieux. Ça arrive, c'est gentil grave. Vis-à-vis de leurs ingénieurs de vous montrer aussi compréhensif sur non pas la faille électronique, mais la faille humaine. Il faut assumer. Hein. Oui. Vis-à-vis de la loi, une dernière question, on reviendra sur d'autres choses tout à l'heure à propos de l'argent. Est-ce que quelqu'un qui contrefait une carte bancaire risque autant que quelqu'un qui contrefait des billets de banque ? Non. Les billets de banque, c'est à perpétuité, en théorie. Mais c'est ce qui est marqué dessus. Hein. L'avocat qui se trouve derrière vous serait tout à fait à même de pouvoir répondre plus précisément. Effectivement, c'est marqué sur les billets. On l'indique en gros que, je dirais, on risque gros quand on contrefait des billets de banque. Vous risquez gros. Voilà. Les cartes bancaires, c'est effectivement différent. Là encore, je crois qu'on est tout simplement dans une falsification normale, mais le tarif, c'est quand même toujours 2 ans de prison et 1 million de francs d'amende. Serge, j'ai fait, je le rappelle... Même 5 ans. Ouais. C'est une escroquerie, c'est 5 ans. Vous avez fait 6 mois. C'est une escroquerie, la carte bancaire. Ah oui, c'est 5 ans. Oui. Non, mais. Il y a falsification plus l'escroquerie. On va passer un peu à l'argent, Serge. Je me permets quand même de préciser un point. C'est que, quand même, même si à l'heure actuelle, la technologie microprocesseur telle qu'elle est utilisée sur le système français est un système qui a peut-être besoin d'évoluer, ça c'est tout à fait normal pour une technologie qui était quand même mise en place en 87, même si elle a eu plusieurs versions d'évolution, elle a été mise en place en 87, il faut quand même signaler que grâce à la... Et je ne veux pas faire cocorico, mais c'est important quand même de le dire, que grâce à la technologie du microprocesseur utilisée dans le système bancaire français, l'ensemble des systèmes bancaires mondiaux ont décidé maintenant de partir vers la technologie à puce. Donc, quelque part, quand même, la technologie n'est pas si mauvaise que ça, mais elle a besoin d'évoluer. La tête qui fait... D'accord. Je vais demander à l'autre Serge de s'exprimer sur le sujet. Donc, vous avez fait 10 mois de prison pour des cambriolages, j'avais été réhabilité, on n'en parle plus. Et puis, 6 mois de prison en provisoire, pour complicité dans un trafic de faux billets que vous n'aviez pas fait. Ça a été démontré. Je crois que ça n'a même pas été jugé. Vous avez été... Non, j'ai été acquitté. J'ai été jusqu'au bout. Ah, c'est mieux qu'un non-lieu.
Ah d'accord. Ah quand vous êtes acquitté, c'est plus. Ah non, c'est mieux. Non mais un non-lieu, c'est avant. Enfin, c'est avant, voilà. Ça, ça on se demande si, mais on peut toujours reprendre l'affaire. Monsieur Livrozet, même si vous n'avez pas été vous-même, vous avez connu donc des faux monnayeurs. Les méthodes de fabrication étaient telles, très différentes de celles qu'on connaît aujourd'hui. Jean-Mathieu s'exprimait, il a dit qu'il avait déjà réussi à faire un faux billet. À peu près à fond, voilà. Quoi. C'est pas la même utilisation. À propos de Mathieu, je trouve sa morale un peu bizarre concernant les voleurs. Il s'estime pas voleur. Moi qui suis un ancien cambrioleur de PMU, qui ouvrait des coffres-forts, j'en tire aucune gloire, mais j'en ai pas honte non plus. Je gagne au tiercé plus facilement que ceux qui me volaient en me faisant jouer au tiercé. C'était juste en réponse au terme voleur que j'ai reçu tout à l'heure. C'était j'étais pas là par à ce moment-là, je disais, est-ce que vous considérez comme un voleur? Vous dites non et ça choque, certes. Non, c'est, ouais, même mais pire, oui, j'étais très. On a, nous, les barbus, nous avons été traités de voleurs. Traités de voleurs par ce monsieur. Non, il n'y a pas les bons voleurs, les mauvais voleurs. Il faut qu'il assume aussi, je veux dire. Il fait des trucs. Quand il fait les vignettes. Complètement. Moi, il m'est sympathique quand il fait les vignettes, parce que vous savez que les premiers voleurs, c'est l'État. Bon, allez, on va répondre aux questions posées. Non, parce que les. Bon, allez-y, ça, allez. Donc. Quand ils ont créé les vignettes, ils avaient dit que c'était pour les vieux. Ils n'en ont jamais vu la couleur, sauf depuis qu'ils les ont faites en couleur. Et que, mais jamais ils n'en ont vu la couleur, les vieux. Jamais. C'est-à-dire que le bénéfice tiré sur l'argent gagné par les vignettes... Il va ailleurs que pour les vieux. On parle de la retraite des vieux par capitalisation maintenant. Si on donnait vraiment l'argent que rapporte la vignette aux vieux, on n'aurait pas besoin de parler de capitalisation. Enfin bref, c'est un autre problème. Bon, selon vous, qu'est-ce qui différencie les faux monnayeurs d'hier à ceux d'aujourd'hui? Si vous voulez, la répression de la fausse monnaie, enfin, ceux qui fabriquent la monnaie, ceux qui ont le droit de battre monnaie, utilisent aujourd'hui les moyens les plus évolués possibles pour rendre la contrefaçon onéreuse. C'est-à-dire que si je veux travailler au stade de faire, par exemple, 70 millions de billets, si je comme veux les faire, votre, comme l'avait fait complice, votre ancien mon camarade, associé. Quoi. Si je veux faire ça, il faut que je me munisse de tel matériel que je ne peux pas le faire. Je peux, en revanche, faire des billets avec des moyens technologiques qui sont à la portée de n'importe qui pour quelques 100 000 francs aujourd'hui. On peut fabriquer, même moins, des billets, mais à un stade artisanal, c'est-à-dire qu'il va sortir un billet qu'on fera peut-être passer dans deux imprimantes, trois imprimantes, parce qu'on fait de l'argent maintenant avec les imprimantes, on va le faire passer en trois fois. Alors pour faire un billet de 500 francs, par exemple, qui a un filet d'argent, il va falloir peut-être trois passages. Alors je vais en faire un à l'heure, mais ça n'intéresse aucun faussaire du grand banditisme. Le grand banditisme a besoin de 700 kilos, lui, il n'a pas besoin de 700 kilos, c'est les 70 millions de francs. Ouais. On peut penser qu'aujourd'hui, en matière de faussaire, on n'aura plus de grands faussaires, sauf peut-être au niveau international. C'est-à-dire que je fabrique des billets pour aller dans un autre pays, un peu comme avait fait Hitler. Ou pour un continent avec, par exemple, une nouvelle monnaie qui arriverait sur le nôtre, par exemple. Ça peut arriver. Ça, un billet inconnu encore, qui serait fabriqué à une grande échelle. L'euro, par éventuellement. Exemple. L'euro. Ça peut arriver. Donc là, c'est bien parce qu'on sait que le billet va de sortir, tout le monde le voit, il est beau, s'il est bien fait, tout le monde le prend. Donc c'est l'idéal pour le faussaire, ça, de savoir avant ce qui va être alors, fait. Alors 3 jours avant, il faut être organisé. Alors on peut, ben, vous pouvez très bien l'être, vous avez déjà des photos, si vous êtes bien organisé, des photos de l'euro aujourd'hui, de ce qui va être fait comme euro en l'an 2001. Donc vous scannez ça, et vous avez, alors vous enlevez les points parce que par scannage, vous pouvez enlever les points. Je ne sais pas que je suis un faussaire, c'est que j'étais imprimeur, donc je connais ça. Hein. Mais j'ai été faussaire aussi, parce que quand vous avez besoin de fausses cartes d'identité, quand vous êtes, comme moi, un voleur, je faisais des cartes d'identité, parce que si on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Donc par nécessité, j'ai été un peu tout ça. Mais c'est fini aujourd'hui, je le répète, j'en tire aucune gloire, mais je peux discuter voilà, de ça sans honte. Voilà, bon. Moi, je n'ai jamais fait de mal à un particulier. Moi, je suis très touché par ce qui arrive à ce commerçant, parce que moi je me suis toujours attaqué à des gens qui avaient les moyens d'être volés. Donc, il n'y a personne ici qui peut me voir à la télé, américain, français, 60 millions de français, qui peut dire que je lui ai porté préjudice. Fabriquer de la fausse monnaie, bon, c'est une chose, on en a un petit peu parlé ce soir, et personne n'est venu nous dire ici qu'il en fabriquait des grosses quantités, on comprend pourquoi. Quelles sont les méthodes généralement employées pour les écouler, à part sortir le billet 2-3 jours avant sa sortie officielle? Mais la méthode pour les écouler, bon, ça c'est une affaire de grossiste, un peu comme pour les CD. Pour les CD, moi je vous convierais, il y a un homme qui est l'homme le plus riche du monde, comme ça en aparté, c'est Microsoft. On se demande comment il a fait sa fortune, enfin, Bill Gates. Comment il a fait sa fortune en 10 ans pour devenir l'homme le plus riche du monde, c'est qu'il vend ses logiciels tellement chers que ça vaut le coup de les reproduire. À mon avis, si je devais faire faussaire aujourd'hui, je préférerais copier du Bill Gates. D'abord, il est américain, on n'emmerderait pas les Français. Et ensuite, on pourrait faire au moins un produit qui vaut quand même 3-4 000 balles. En valeur ajoutée, c'est beaucoup plus important qu'un CD de jeu ou qu'un CD audio, parce que ça coûte le même prix.
hein, avec une galette, vous faites le même copie, pirate, comme Microsoft. On parle des billets de banque, pour les écouler, comment ils s'y prenaient, vos collègues? Non, mais c'est intéressant pour eux, pour qu'ils gagnent un peu mieux leur vie, parce qu'ils me font pitié avec 2000 francs par mois. Copier Bill Gates, c'est une évidence. C'est vrai, non? Mathieu, mais dis-toi. Bon, écouler des billets de banque aujourd'hui suppose... Aujourd'hui, à mon avis, c'est très, très difficile. À un niveau très faible, on peut écouler des billets de banque. À un haut niveau, ça demande une hiérarchie. C'est-à-dire que, par exemple, dans le cas des 700 kilos, des 700 kilos de papier qui nous occupaient, c'est dispatché dans la nature. C'est-à-dire que c'est acheté en gros par un type qui va prendre les billets. Qui achète les 500 billets, francs. Il achète les 700 kilos, c'est une commande. Il achète les 700 kilos. Alors, le billet de 100 francs, par exemple, il va l'acheter 10 francs. Celui qui a fait les billets... gagne 700 fois 60. Ouais, voilà. moins ses frais, évidemment. On va faire le calcul, hein, voilà, hein, 10% de moins. Il l'a acheté 10 francs, il va le revendre combien? Il va le revendre encore? Il va le revendre 20 francs. Alors, à un niveau, à quelqu'un qui va en acheter pour un peu moins, mais après, et ainsi de suite. Qui va l'avoir 50 francs, et jusqu'à ce qu'il arrive à 40-50 francs, ouais. Et que le type à 50 francs, il va l'écouler chez le marchand, il achète un paquet de gauloises, maintenant c'est un peu cher, les cigarettes, c'est dommage, ça augmente, il ne lui reste pas grand-chose. Il lui reste 30 francs, il a gagné 30 francs, et son paquet de cigarettes. Et c'est clope. Ouais, ouais. Et vous êtes déjà arrivé d'essayer de refourguer de la fausse monnaie? Moi? Ouais. Non, je vais vous dire, quand j'étais Vous avez dit non en disant oui avec les yeux. Non, non, mais ouais. Parce que c'était marrant. Ouais. Non, non, parce que quand j'étais à un moment donné en liberté, puisque de temps en temps, ça arrive. Oui, c'est ça. Non, mais j'étais mis en liberté, donc j'étais libéré, on appelle ça la détention provisoire, parce qu'on inverse toujours. Ce n'est pas la liberté qui est provisoire, la liberté, ouais. C'est normal. Ce qui est provisoire, c'est la détention. Donc moi j'étais en détention. Avant on disait préventive, maintenant on dit provisoire. Voilà. Moi je suis donc en détention provisoire, j'étais libéré, et en liberté, j'étais sous contrôle judiciaire. Et un taxi un jour me file, deux fois on m'a filé, jamais de ma vie on m'a filé des billets, j'ai eu deux fois deux billets de 50 francs, je ne savais pas quoi en foutre. J'étais emmerdé, je les ai jetés. Parce que j'ai dit, si je me fais attraper avec des billets de 50 francs, les fourguer quelque part, je vais me faire serrer, je vais aller au ballon, alors j'ai déchiré mes 100 francs. Et c'est pour ça que je riais quand on m'avait dit, ouais, est-ce que j'avais écoulé, je comprends mieux le sens de votre rire. On a tous l'impression d'en avoir eu dans les mains, non, des faux billets. Enfin, moi, j'ai l'impression d'avoir eu des faux billets sans être vraiment sûr. Et puis bon, je ne sais pas si j'avais les mêmes scrupules que vous, je ne sais pas ce que j'en ai fait. Mais enfin, et on estime à combien le nombre de faux billets qui circulent aujourd'hui en France? C'est très difficile. Pour la France, de déterminer en fait la quantité de faux billets qu'il peut y avoir. Ce qu'il faut dire, c'est aussi les fausses pièces de 10 francs même aussi. Hein, oui, alors les fausses pièces de 10 francs un peu plus, mais les faux billets, c'est très difficile pour plusieurs raisons. D'abord parce que la monnaie française est une monnaie qui n'intéresse que la France. Point barre. Contrairement au dollar. Deuxièmement, la monnaie française est devenue une monnaie techniquement plus difficile à contrefaire. Donc, je crois qu'à l'heure actuelle pour vous donner un chiffre, l'estimation qui a été donnée en 1996 pour les faux dollars est de l'ordre d'un montant de 3 milliards de dollars pour un montant maximum de dollars de 350 milliards. C'est-à-dire qu'il y a 3 milliards de dollars faux sur 350 milliards de dollars dans le monde. Ça fait 1 sur 100 donc. 1 sur 100. Donc ça c'est un point important. Je crois qu'en fait, le problème... Sur 100, c'est beaucoup, non? Je sais pas. C'est un problème, en fait, et il faut transférer la situation de la France au niveau mondial. Ouais. Le problème de la fausse monnaie, maintenant, c'est un problème mondial. C'est la criminalité internationale. Ce n'est plus le grand banditisme comme on l'avait connu il y a de cela 20 ans. Maintenant, le problème de la fausse monnaie, c'est d'abord et avant tout de faire du trafic de fausse monnaie en même temps que du trafic des narcotrafics, trafic de la drogue et d'autres trafics aussi intéressants que celui de la drogue. Donc déjà, premièrement, il y a la grande criminalité internationale qui essaie de se donner les moyens de faire des faux billets. Mais ce qui est surtout de plus en plus important, c'est qu'il y a certains pays, dont je tairai le nom, mais il y a certains pays, certains États, qui sont détenteurs d'imprimeries capables de fabriquer des faux billets et qui, à l'heure actuelle, utilisent la fausse monnaie, soit à titre purement de gain personnel... Soit pour faire du terrorisme d'État. Soit pour faire du terrorisme d'État. Et c'est le problème que l'on rencontre dans certains pays à l'heure actuelle, où il y a inflation. Acheter des armes, par exemple, vous voulez dire? Acheter des armes, ou bien tout simplement une attaque économique d'un pays. C'est-à-dire balancer des paquets de monnaie pour faire baisser une monnaie. Pour l'inflation. D'accord.
Juste, vous avez sans doute étudié ça, vous qui êtes un spécialiste des questions fiduciaires, quel est le comportement en général des Français quand ils se retrouvent avec un billet de 100 francs ou 200 francs faux entre les mains? C'est de le repasser à un autre. Passe à ton voisin, zinzin. Nous avons un gérant de bar tabac qui est avec nous dans le 8e arrondissement à Paris, Bernard Astabi. Où est-ce que vous êtes? Bonsoir Bernard. Bonsoir. Vous êtes souvent confronté aux faux billets dans votre bar tabac? Oui, malheureusement, oui. Mais contrairement à ce que disent ces messieurs, maintenant les sommes sont beaucoup plus importantes, c'est-à-dire que les billets sont en général de 500 francs, les faux. Il y en a énormément qui sont en cours actuellement. C'est rare d'aller acheter un timbre ou un ticket de loto ou même un paquet de cigarettes avec 500 francs. Justement, les gens vont justement dans les tabacs, autrement dans les stations d'essence, pour changer des billets comme ça. Et nous, en tant que débitants, ça nous porte énormément de préjudice. C'est très fréquent quand on ramasse des billets 500, et c'est ces billets-là qui sont les plus nombreux sur le marché. Tous les débitants, nous sommes confrontés à ça. Pour nous, il est évident que nous ne pouvons pas les repasser, parce que, bon, bien sûr, tout le monde essaye de les repasser à quelqu'un d'autre, mais nous, à qui voulez-vous qu'on les repasse? Soit à des fournisseurs. Ouais. Non, les tabacs se payent en chèque et tout ça. Donc, les fournisseurs se rappellent qui c'est qui leur a donné ça. Donc, notre seul recours... Vous pourriez faire l'escroc et aller chez un autre commerçant, je veux notre dire. Notre seul recours, c'est de les amener à la banque et vous les d'avoir le bout de papier pour les déduire en frais. Nous n'avons pas d'autre solution. Vous avez le droit de les déduire en frais, c'est-à-dire que vous n'avez pas les 500 francs qui sont crédités, mais vous avez le droit de les déduire de quelle manière en fait? C'est-à-dire on les met en comptabilité, en perte si vous voulez. D'accord. Pour justifier lors des contrôles fiscaux que... Quelle est la réaction des clients à qui vous refusez un billet? C'est jamais lui. C'est pas de sa faute. Il l'a reçu de quelque part. Il est très gêné, bien sûr. Mais enfin, vous savez, c'est ceux qui viennent échanger des billets comme ça, ce ne sont pas, bien sûr, les fabricants de... Non. De ces billets. Comme c'est rarement aussi quelqu'un qui fait ça. Ils vont les échanger dans des commerces comme les nôtres. Ils vont les échanger dans des commerces comme les nôtres parce qu'il est évident qu'ils vont pas aller dans les banques pour changer ça. Vous disiez les bars tabac, enfin. Les bars tabac, beaucoup les stations d'essence également, je pense, sont confrontés à ça. D'accord. Vous êtes aussi confronté, Bernard, au faux bulletin de la Française des Jeux. Oui, effectivement. Comment c'est possible cette contrefaçon-là? Vous avez que ce soit n'importe quel ticket de jeu. Mathieu qui relève la tête, qu'est-ce qui se passe là? N'importe quel ticket de jeu instantané, que ce soit, si j'ai le droit de le citer, millionnaire, bingo, n'importe quoi. Par exemple, c'est marqué 10 francs. Eux vont marquer, les faussaires vont marquer 500 francs. Et nous avons des lettres de contrôle où il y a une zone de sécurité où c'est marqué nul si découvert. Mais malheureusement, les faussaires arrivent. À enlever ça, à mettre la lettre de contrôle exacte et à remettre le produit dessus, ce qui fait que pour nous, pour détecter, c'est impossible. On s'en rend compte uniquement quand la Française des Jeux reprend tous ces... parce qu'on retourne tous ces remboursés. Quand on les retourne, c'est là qu'ils viennent nous dire, il y avait par exemple 3 bingos de 500 francs qui étaient faux ou n'importe quoi. À ce moment-là, la perte, c'est pour nous. De temps en temps, le courtier accepte de partager cette perte avec nous, mais c'est très rare. S'il le fait, c'est vraiment commercialement. Merci Bernard. Pierre, est-ce que vous avez observé une recrudescence des faux tickets de la Française des Jeux, globalement? Non. La Française des Jeux, d'ailleurs, quand on fait une statistique, pourra vous l'expliquer, c'est epsilonesque par rapport au chiffre d'affaires de la Française des Jeux. Vous savez, le problème... C'est pour les débitants que c'est plus compliqué, parce qu'eux, oui, ils sont dans l'urgence, il y a parfois 10-15 clients dans le magasin. Pour les débitants, c'est toujours le même problème. Pour appeler, mais malheureusement, aucun débitant n'appelle ces numéros verts. Pas à 17h30, quand vous avez 10 personnes qui font la queue. Exactement, quand vous avez la queue et tout ça, on n'a pas le temps de le faire. Et en plus, commercialement, le client serait vexé en nous voyant téléphoner pour demander l'autorisation et tout ça. Donc, on est obligé de prendre des risques, et c'est ce que nous faisons, on prend des risques. Mais dites quand même à vos employés de les billets de 500 francs, dès qu'ils ont un doute, il ne faut pas qu'ils les prennent quand même. Hein, Bernard. Oui, c'est-à-dire... C'est gâché. Quand on est absolument sûr qu'ils sont faux, bien sûr qu'on ne les prend pas. Mais quand c'est douteux, vous ne pouvez pas dire à un client, celui-là me semble faux, c'est assez délicat. Vous comprenez ce point de vue? Oui, mais en fait, le problème, je comprends parfaitement, monsieur, et la situation doit être relativement désagréable durant toute l'année d'être attaqué comme ça sur différents types de systèmes de paiement ou autres. Ce qu'il faut quand même dire, c'est qu'à l'heure actuelle, la Française des Jeux fait énormément d'efforts pour que les produits soient de plus en plus difficiles à falsifier, puisque là, on parle plus de falsification que de contrefaçon. Falsification étant le fait de modifier une information, alors que la contrefaçon, c'est reproduire à l'identique. Donc, je pense que de plus en plus, les solutions
permettre de se protéger contre cela. Et je pense que la Française des Jeux fait énormément d'efforts à l'heure actuelle pour limiter ce genre d'attaque. Avec les petits nuls si découverts. Quelles sont les contrefaçons ou les falsifications qui aujourd'hui se développent? Alors la tendance, si on peut appeler ça une tendance. Tendance pour l'été, automne, hiver. La tendance à l'heure actuelle, c'est plutôt de s'attaquer sur des marchés où les maillons, où ils recherchent les maillons les plus faibles du système. Donc à l'heure actuelle, c'est les problèmes des chèques cadeaux. Énormément de contrefaçons de chèques cadeaux et tout ce qui concerne les chèques déjeuner, chèques restaurants et autres. Et donc, de ce point de vue-là, tous ces grands émetteurs sont en train de mettre en œuvre de nouvelles solutions, toujours pour anticiper la fraude, de nouvelles solutions pour parer aux 3 ans à venir. Alors, en tout cas, les nouvelles tendances de la contrefaçon ou falsification actuelle n'ont pas pour autant fait disparaître les anciennes. On l'a vu avec les faux billets. On va le voir maintenant avec une marque de vêtements dont Laure de Soto est la responsable juridique. La lutte contre la contrefaçon occupe de plus en plus de temps. Pour vous, combien de temps à peu près dans le temps que vous consacrez à votre... Je pense aujourd'hui 30% de mon temps pour tout le reste. Par rapport à combien de temps il y a encore 2 ans? Ça devait être... Je ne peux pas trop dire, mais c'était vraiment épisodique. C'était beaucoup moins, quoi. Voilà, beaucoup moins. Ouais. Donc la semaine dernière, pour prendre un exemple récent, on était à l'affût pour voir s'il allait se passer quelque chose. 4000 chemises contrefaites ont été interceptées par les douanes de Roissy, qui nous ont appelés parce qu'elles savaient qu'on préparait un reportage sur le sujet. On a donc pu filmer cette saisie telle qu'elle s'est passée, au moment T, enfin grandeur réelle, et constater que les faux sont fréquemment vendus à la sauvette sur les marchés grâce à des caméras cachées qui vous ont accompagné pendant votre enquête. C'est un reportage de Caroline Coldefi qui vous accompagnait avec Miguel Gonan. Donc, allons-y. Aéroport de Roissy Charles de Gaulle. Chaque jour, 800 avions se posent sur le tarmac. Selon les douanes, 10% de ces vols peuvent transporter des marchandises suspectes. Pour les intercepter, les douaniers analysent la provenance des vols, les transits et les déclarations de marchandises délivrées par les compagnies. Il est 7h du matin et Philippe récupère, comme chaque jour, toutes ces informations pour les recouper. Ça va Marie, t'as bien des choux ? Et j'ai vu que l'expédition qui arrive de Bangkok, regarde, c'est 1,5 tonne de vêtements. Et le trajet est Bangkok, Kuala Lumpur, Francfort, en camion, puis Paris, puis Madrid, la destination finale. Tu vois ? Je pense qu'il serait intéressant d'aller voir ça de plus près. Hein. La marchandise est bloquée provisoirement dans un entrepôt près de l'aéroport. Alors, ce sont ces colis-là ? Oui, voilà, ce sont les colis qu'on a demandé à visiter. Hein. Alors, on va commencer à ouvrir ça. Hein. Ah, ça vous paraît suspect ou... De toute évidence, ne serait-ce que par le conditionnement pour les produits de cette marque, on s'attendait à autre chose. Ensuite, quand on regarde la qualité, ça paraît un peu faible. Hein. Pas de traces d'origine. Made in Thailand. Quand on a un doute comme ça, nous on rédige notre procès-verbal et puis on contacte immédiatement la marque de toute façon. Par téléphone, on lui envoie un fax et puis soit la marque se déplace, soit on essaye de lui faxer un échantillon où on lui décrit exactement comment c'est. Nous sommes à Paris, au siège de l'entreprise. Laure est en relation avec les douanes. Elle est chargée de traiter les affaires de contrefaçon. On a encore reçu un fax des douanes pour des faux. Encore, il y a combien de pièces? 4000 ce coup-ci. Et alors, c'est 4000 chemises. Et qui viennent d'où? Qui viennent de Bangkok. Il faudrait que j'aille voir. Ouais, voilà Franck d'abord. Ouais, vous recevez souvent des fax? Oui, régulièrement, oui. Beaucoup, oui. C'est incroyable. Vous montrez, on a des piles entières, des classeurs. Un plus? Un plus. On attaque à chaque fois. Là, il y en a les piles avec les fax, les réponses. Et là encore, des classeurs entiers. Et tout ça, ce sont des contrefaçons? Tout ça, ce sont des contrefaçons, oui. En général, on nous envoie des fax avec justement... comme c'est pas toujours à Paris, on peut nous envoyer des photos des produits. Cette fois, la saisie est importante. Laure se déplace donc à Roissy. Elle va vérifier s'il s'agit bien de chemises contrefaites. Voilà, donc là on voit que ce sont des faux, parce que là vous avez vu le papier est plus rigide que les nôtres en fait. Oui. C'est la qualité du papier. En plus là vous voyez que c'est fermé, nous on a un retour normal. Donc là déjà on voit que ce sont des faux, même pour la couleur du logo. Exactement. Donc déjà ça c'est facile, en plus on les coloris de chaise chemise on fait pas.
Et là, on voit que sur l'élégance est dans le match, qui est en fait une phrase qui est mise sur nos polybags, il y a une faute d'orthographe. La qualité est vraiment médiocre, c'est le tissu. Ensuite, nous, la marque est intégrée dans l'étiquette de colle, alors que là, elle est au-dessus. L'or doit porter plainte contre X pour bloquer et détruire la marchandise en transit. C'est ensuite au procureur d'engager des poursuites en Thaïlande ou en Espagne pour arrêter le trafic. On a 10 jours pour dire s'ils sont des vrais ou des faux. Et si jamais on dit rien, c'est comme si c'était des vrais. Retour au bureau. Une cellule de crise est mise en place. Objectif, comparer le vrai et le faux pour prévenir la prolifération de contrefaçons vendues à la sauvette sur les marchés. Ils ont fait la découpe, ils ont fait exactement comme les nôtres. Ils sont moins épais, on les reconnaît. C'est des vrais, ça. Nous devons aller plus vite que la contrefaçon, c'est pas facile. Comment on fait? Il faut développer la marque, et puis il faut trouver des parades, et puis il faut conserver nos grades de qualité qui sont, encore une fois, la première défense. Mais c'est vrai que si jamais la contrefaçon prenait une ampleur débordante, on pourrait très bien imaginer qu'elle altère l'image du produit. Peut-être pas la marque en elle-même, mais en tout cas l'image des produits qu'elle véhicule, parce que dans la rue, vous avez tout d'un coup des produits contrefaits qui pourraient un jour être plus importants, plus nombreux que les originaux. Et c'est pour ça d'ailleurs que Laure, tu vas vite retourner aux puces à Saint-Ouen pour aller vérifier tout ça parce que ça m'inquiète. Non, on cherche monsieur. Ouais. Il y en a deux modèles. Et ça marche bien, les vendeurs? Très bien. Ah ouais? Ouais. Voilà. Vous voyez? Allez, encore. Allez. Voilà. Viens voir d'abord. Et combien? Ah. Voilà. Je te dis pas normalement 180, je te dis pas 200. Ici, aucune difficulté pour acheter du faux. Ce polo contrefait est vendu 200 francs. L'original coûte 600 francs. Et les chemises, c'est madame. C'est le pouls. Vous les avez achetés où? Pour savoir, parce que c'est pas cher. Et là, pas de réponse aux questions embarrassantes. Pas qu'il l'appelle. C'est comme ça que vous les faites, vos paquets, vous? C'est un paquet cadeau, ça? C'est un cadeau. Tiens, Franck, c'est le produit que j'ai trouvé au plus. On pouvait en acheter partout, presque. Les gens veulent de l'image, ils veulent une image proche de celle. Mais vous voyez les petits détails, je vous en donne un par exemple, bouton ovale en caoutchouc qui a une histoire particulière dans le rugby parce qu'il ne faut pas que ça abîme, si jamais on vous attraque par le col, il ne faut pas que ça puisse vous érafler le visage. Donc on a des boutons caoutchouc et là les contrefacteurs ne s'embêtent pas, ils mettent des boutons classiques de chemise. Et puis vous avez ici en revanche un très bel exemple de contrefaçon. Parce que cette broderie, sincèrement, elle est pas mal fichue. Bon, il y a les petits points blancs que vous voyez là ne seraient pas acceptés chez nous au contrôle. Mais bon, ça crée un peu l'ambiguïté, en sachant qu'ils ont repris textuellement une broderie que nous avions utilisée. Pour lutter contre les vendeurs à la sauvette, Laure appelle le commissariat de Saint-Ouen. Allô? Oui, bonjour monsieur. Bonjour. Je vous appelle parce que je présente la marque, qui est une marque de vêtements. Oui. Et le week-end dernier, je suis allée au Puces et j'ai vu beaucoup de contrefaçons. Oui. Donc j'aurais savoir ce qu'on pouvait faire. Alors, si vous êtes sur place et que vous voyez vraiment un gros stock, hein, parce que je sais que généralement vous ne déposez pas plainte quand c'est un ou deux exemplaires. Oui, mais ce qu'il y a, c'est que les gens qui vendent, ils ont toujours un ou deux exemplaires. Et oui. C'est-à-dire que le stock, il est un peu plus loin. Voilà, le problème, c'est qu'il faut le trouver, le stock aussi. Donc si c'est des gens à la sauvette, vous ne pouvez pas les prendre. Si, à la sauvette, on peut les prendre, mais bon, au parquet, ils risquent de shooter, quoi. Si c'est un ou deux t-shirts. Oui, mais si on en prend souvent, peut-être qu'ils arrêteront d'en prendre. Comment? Si on les prend souvent, peut-être qu'ils arrêteront d'en prendre, si à chaque fois on leur confisque leurs pièces. Ah oui, c'est sûr, oui. On peut leur confisquer leurs pièces, ça, c'est pas un problème. Dans ce cas-là, vous faites appel à nos services et puis on enverra un véhicule. Très bien, dans ce cas-là, il faut qu'on vous appelle un week-end quand on est là-bas et voilà. Vous viendrez sur place. Voilà. Au revoir, monsieur. Au revoir.
Reportage de Caroline Coldéfi et de Miguel Gonan. Vous êtes en mesure, Laure, d'estimer le préjudice que subit la marque que vous défendez à cause de la contrefaçon? Le préjudice financier, c'est très dur à évaluer parce qu'on ne sait pas si les gens qui achètent des faux achèteraient des vrais. Donc c'est vrai que les préjudices financiers, puis nous, on n'est pas une grande marque encore aujourd'hui, on est présent surtout en France. Donc on ne sait pas exactement, non, on n'a pas évalué le préjudice financier. Le plus gros préjudice, c'est l'image de marque. Est-ce que vous avez l'impression que c'est un peu la rançon des marques à succès, d'avoir à subir la contrefaçon? Peut-être au début, on peut dire que c'est un peu la rançon du succès, parce qu'il n'y a que les marques connues qui sont contrefaites. Mais là, ça dépasse, enfin, c'est quand même à grande ampleur. Donc nous, on a quand même beaucoup de gens qui travaillent pour nous, on fait travailler des gens chez nous, enfin, il y a des créatifs, des commerciaux, vous avez des gens dans les boutiques, on a beaucoup, enfin, on a des frais. C'est pour ça que moi, je suis un peu d'accord pour dire que c'est du vol, parce que nous, on a énormément de frais. On a des dépôts de marque, on a enfin toute la gestion quotidienne. Et Vous avez déjà acheté un vêtement, une petite montre ou un petit sac contrefait? Pour être honnête, oui, j'ai déjà acheté, mais... Racontez-nous dans quelles circonstances, Laure. J'étais en voyage et c'est vrai que j'ai acheté. Je pense qu'il faudrait plus... Vous aviez acheté quoi? Un sac. Ah. Je pense qu'il faudrait, d'ailleurs, très mauvaise qualité. Non, mais il faut faire une différence. C'est-à-dire que si vous achetez un produit pour votre consommation personnelle, c'est pas bien. Bon, si vous en achetez 100 pour les revendre, c'est pas bien du tout. Vous voyez, il y a quand même une échelle. Entre pas bien et pas bien du tout. Non, mais entre le fait de le faire pour soi, c'est comme pour les 10, c'est-à-dire l'acheter pour soi. Bon, évidemment, c'est... Mais l'acheter pour les revendre, ça, moi, je rejoins un peu M. Neg. C'est-à-dire qu'à partir d'un moment, on arrive à des tels volumes que pour nous, c'est vraiment préjudiciable. Philippe Sorin est donc le douanier qu'on aperçoit dans le reportage. Où est-ce que vous êtes, Philippe? Je suis là. Pardon, excusez-moi. Philippe, comment se fait-il que vous ayez dû laisser partir les 4000 chemises que vous avez trouvées? Déjà, là où elles se trouvent, elles sont sous surveillance douanière, même si c'est nos collègues espagnols qui le font. C'est pas perdu. Hein, c'est pas perdu, c'est-à-dire que nos collègues de la douane espagnole vont essayer d'appréhender le récipiendaire des marchandises, en fait. Et c'est beaucoup plus commode d'appréhender quelqu'un en Espagne que d'aller chercher un hypothétique expéditeur en Thaïlande, quoi. Oui. Donc, en Espagne, il y a quelqu'un qui risque de se faire coincer, quand même. Il y a celui qui a acheté les marchandises et qui doit les recevoir. Et là, on a un coupable. Voilà. Voilà. Qu'est-ce que vous cherchez en priorité? Les stupéfiants, et puis, en ce qui me concerne, il y a des équipes qui sont spécialisées pour les contrefaçons. En ce qui me concerne, c'est les stupéfiants. Et au travers de mes recherches pour trouver des stupéfiants, il m'arrive de trouver d'autres marchandises illicites. Par exemple, les contrefaçons. Contrefaçons de vêtements. Là, vous pensez qu'éventuellement, il y avait de l'héroïne dans ce... Il aurait pu, oui, effectivement. Ouais. Ce dossier-là répondait à certains critères qui auraient pu amener la découverte de drogue. Parce que ça partait du triangle d'or, que ça allait dans un autre pays, en passant par un tas d'autres, c'est ça? Voilà, c'est ça, oui. Des ruptures de charge, pas mal de... De petits micmacs, quoi, voilà. Qui alertent le douanier. Mmh. Et vous nous avez dit également, Philippe Sorin, en préparant cette émission, que le trafic de contrefaçons était pratiquement aussi rentable que le trafic de stupéfiants aujourd'hui. Disons que même s'il n'est pas réellement aussi rentable, il est au moins aussi profitable puisqu'il génère beaucoup de profits et en fait on encourt beaucoup moins de risques. Les fausses pièces automobiles comme celles qui ont coûté à Hakkinen une victoire en Grand Prix, voire même un titre de champion du monde, je me souviens, s'est aperçu que le moteur avait sauté à cause d'une pièce contrefaite qui coûtait, je crois, 20 centimes ou 1 franc, qui était une mini-vis, mais qui avait été achetée à meilleur prix par quelqu'un de peu scrupuleux, sans doute. Est-ce que ça vous envoyait des fausses pièces de voiture, des fausses pièces d'avion et même des faux médicaments? Ce n'est pas une marchandise qu'on rencontre fréquemment dans les importations à Roissy. Par contre, c'est plus facilement sur le marché intérieur, donc pas vraiment à l'importation en France, à Roissy, quoi. Donc là, je ne peux pas vous répondre. Ce sont plus les policiers que les douaniers qui interviennent. Ouais, ou nos collègues de la DGCCRF. Voilà. On va demander à Pierre Gonzalez, justement, qui est le directeur de la communication de la Direction Générale de la Répression, de la Consommation, de la Concurrence, de la Répression des Fraudes, en tout cas, c'est sûr. Bonsoir, Pierre. Ouais. Bonsoir, on va poser 2-3 questions pour conclure. Un mot sur le marché de la contrefaçon, est-ce qu'il est en progression constante? Oui, je crois qu'au cours des au moins 10 dernières années, il y a une progression considérable. Alors, on n'a évidemment pas de statistiques totalement fiables, mais il y a quand même des évaluations. Alors, un chiffre sur lequel tout le monde s'accorde à peu près, c'est en 1990, la contrefaçon, ça représentait à peu près 3% du marché mondial. Et en l'an 2000, c'est-à-dire 10 ans après, on en est autour de 5-6. Alors, ce qui est intéressant, c'est que non seulement il y a un accroissement considérable, mais encore, ce ne sont pas les mêmes types de contrefaçons. Le berceau de la contrefaçon, ce sont les produits de luxe.
Et depuis, sont le plus souvent des marques françaises. Hein, donc 70% des marques contrefaites sont des marques françaises. Il faut savoir que la contrefaçon... On peut être fier pour une fois qu'on a un record, non? Oui. Alors malheureusement, on n'est pas que champion du monde de football. Par contre, les conséquences, elles, sont quand même assez négatives parce que ça nous coûte à peu près 50 milliards et ça nous coûte 40 000 emplois. Alors depuis à peu près 30 ans, il y a l'émergence d'un nouveau type de contrefaçon. Ce sont les produits industriels. Alors les raisons, on les connaît. C'est d'abord la mondialisation, l'émergence de pays comme le Sud-Est asiatique qui ont maintenant des techniques qui leur permettent de reproduire des produits industriels. Puis il faut le dire aussi un petit peu les industriels français qui décentralisent énormément. Donc ces gens-là, on leur amène aussi une technique. Donc ils continuent à produire lorsqu'ils perdent de le marché et ils vendent sur le marché parallèle. Et ce qui est grave dans ce cas-là, c'est que ça touche des pièces qui peuvent être extrêmement dangereuses. Par exemple, en matière automobile, vous avez parlé de l'aviation. Il faudrait aussi parler du médicament. Il paraît que dans le médicament, 5 à 6 % des médicaments dans le monde seraient contrefaits, bien qu'en France, ça n'existe pratiquement pas. Il y a eu une seule saisie qui a été faite par nos collègues des douanes et qui concernait, je crois qu'il y a à peu près 2 ans, qui concernait 400 000 pastilles d'un anti-inflammatoire qui était sous-dosé. Mais par exemple, au Niger, il y a un an, il y a eu 3 000 enfants qui sont morts parce qu'il y avait un vaccin contrefait qui avait été utilisé. Et donc là, ça peut être extrêmement dangereux. Et puis alors, troisième type de contrefaçon, c'est ce qu'on a parlé, c'est-à-dire l'informatique. Alors là, il y a un développement considérable. Il y a un chiffre qui est très impressionnant. Il paraît que 40 à 50% des logiciels qui sont employés par les entreprises sont piratés. André Bertrand, une dernière question, en essayant de répondre court avant de conclure cette émission. Vous dites souvent, ou parfois, en tout cas, les marques qui attaquent pour contrefaçon sont aussi à l'origine de la contrefaçon. Est-ce que ce sont les mêmes arguments utilisés par Pierre tout à l'heure, en disant que finalement on donne des clés à nos sous-traitants quand on leur demande alors, de fabriquer d'abord, les produits? Je crois que c'est un point important. Parler de 38 000 emplois qui seraient perdus. Alors, si on prend un exemple qui est celui qu'on cite souvent, qui est celui du domaine vestimentaire, les vêtements. Il faut voir les choses en face. Je ne pense pas qu'il y ait vraiment une perte d'emploi. Je prends ce domaine-là, il y en a peut-être dans d'autres domaines, mais une perte d'emploi dans le domaine des vêtements, parce que toutes les personnes aujourd'hui qui fabriquent des vêtements d'une manière industrielle sont à 95% des personnes qui font fabriquer dans des pays comme le Maroc, comme Ceylan, comme la Thaïlande, etc. Donc, là encore, ce n'est pas parce qu'il y aurait moins de contrefaçons en France qu'on rapatrierait en France la fabrication de ces modèles. Alors moi, je vais vous dire, en fait, ce qui est dangereux, et là, il y a un problème où le droit touche l'économie, c'est que si vous dessinez une chemise ou un pantalon en France et que vous allez le fabriquer en Thaïlande, vous pouvez le réimporter en France et vous êtes protégé parce qu'on dit que vous êtes l'auteur, vous bénéficiez du droit d'auteur d'une protection en France, alors que si on liait, je dirais, la création et la fabrication, en disant « seul en France, les produits fabriqués en France peuvent bénéficier du droit d'auteur », on rapatrierait d'emblée tout ce qui est sous-traité à l'étranger. On peut préciser, quand vous parlez de décentralisation tout à l'heure, vous ne parliez pas de Paris à Marseille, mais bien de Paris aux pays en voie de développement. Ouais. Mais je ne peux pas être tout à fait d'accord avec vous, parce que, en fait, lorsqu'on parle de pertes pour les entreprises, on pense toujours à ce qu'elles ne vendent pas. En réalité, ça va bien au-delà, parce que lorsque vous avez une entreprise, en particulier dans le luxe, qui est victime de contrefaçon, non seulement elle ne vend pas, mais alors ça n'est pas très grave, parce que finalement ce sont des gens qui n'auraient pas acheté. Ce qui est grave pour l'entreprise, c'est que le fait que des personnes puissent acquérir des produits qui portent cette marque, des produits moins bonne qualité, eh bien ça porte préjudice à l'image. Ce que disait alors tout à l'heure. Et c'est ça qui est grave. On va conclure, si Pascal Nègre en profiter pour signer les ZZ Top pour sa maison de disques, et pendant que Florian Gazan vient nous rejoindre pour la conclusion de l'émission, Florian. Sous les applaudissements du 102 qui est en pleine forme. Non. Florian, je me suis demandé à mon avis, ça glissait vraiment. Ça glisse pas trop en fait. Il touche du bois. Moi, c'est vachement dur de conclure parce que c'est hyper compliqué en fait comme problème. Parce qu'on a parlé, on a beaucoup glosé et rigolé sur les ZZ Top. Quand on a des barbes et des lunettes, on est voleur, et quand on a rien, on est honnête. Moi j'ai des lunettes. Je crois que beaucoup de gens en fait, on est tous plus ou moins pirates. J'ai même. Prends un exemple sur la musique, les maisons de disques. Il y a une grande époque avec le rap dont on a parlé, il y a eu le problème du sampling.
C'est-à-dire que des artistes qui étaient signés par des maisons de disques allaient prendre un petit bout d'un morceau édité par un autre artiste. Comme IAM qui a samplé Give Me the Night. Voilà, alors des fois c'était très évident, donc c'était difficile d'y échapper. Puis d'autres fois, on bidouille un petit peu, on s'arrange, l'auteur original ne touche rien. Et avec le nouveau titre composé, c'est arrivé au début, après ça a été légiféré Pascal, mais au début c'est arrivé, il y a des cas. Et à l'arrivée, la maison de disques et le nouvel artiste gagnent beaucoup d'argent avec un disque et le propriétaire original lui touche rien. Donc là aussi on peut parler de piratage quelque part. Donc bon. Après il y a aussi le problème de l'envie. Et aujourd'hui si on veut de l'argent, on peut cambrioler une banque, c'est très difficile parce que c'est compliqué. Aujourd'hui si on ouvre les portes des banques, on ira tous se servir parce qu'il n'y aura pas de protection, c'est facile. Ben, c'est pareil, pour un CD audio, si on voulait avoir un CD audio sans l'acheter, le seul moyen, c'était de le voler. Aujourd'hui, on vend dans le commerce, on commercialise, on fait de la pub, parce que les graveurs de salon, il y a des pubs dans 4x3, on vous dit, vous achetez un graveur, plus la peine d'acheter un CD, vous pouvez avoir une copie pirate, qui est à usage personnel, vous faites ce que vous voulez après, pour vous. Donc, ben, on a du mal à résister à l'envie. Pour moi, c'est le même problème que... En fait, vous battez plus contre la loi, Pascal, que contre les pirates, alors ? Oui, les deux. Mais c'est vrai que le cadre législatif est très très important. Il y a actuellement, dans l'année qui arrive, il y a un certain nombre de débats fondamentaux qui vont avoir lieu à la fois au niveau de la communauté européenne et à la fois à l'Assemblée nationale. Mais c'est tout le problème de la législation, en particulier sur Internet. Raison, en disant, c'est très très compliqué. Quand c'est facile, on y va, quoi. Oui, bien sûr. Effectivement, mais vous avez raison, l'exemple, si le coffre de la banque est ouvert, eh ben vous allez évidemment vous servir. Mmh. Et c'est un peu le cas aujourd'hui. Alors, l'autre problème, justement, c'est lié, c'est l'exemple des voitures. Je veux dire, aujourd'hui, limitation de vitesse en France, c'est 130. On commercialise des voitures qui roulent à 250. Si j'appuie un petit peu plus sur la pédale, je suis en infraction. C'est moi qui vais être condamné et jamais le constructeur qui a fait cette voiture. Donc là, ben, c'est pareil. Je veux dire, si c'est facile pour moi d'être en infraction... Je vais tenter de le faire, je vais le faire. Graver un CD, copier un CD, télécharger un MP3, c'est très facile aujourd'hui, c'est évident. Et bien, le plaisir, l'envie, elle est là, on le fait. On ne se pose pas la question de savoir si c'est interdit. Et donc bon, c'est compliqué. Ok, vous retrouvez Florian tous les dimanches matin sur France 3 à 10h25 dans 3 fois plus net pour en apprendre un petit peu plus sur tout ce qui touche au multimédia et Internet en particulier. Merci à tous nos invités d'être venus parler aussi librement. Bonne chance à tous ceux qui sont en procès, si je puis dire. Et merci en tout cas. La semaine prochaine dans Ça se discute, nous parlerons des sourds et des muets. Les sourds vivent-ils dans un monde à part? Des sourds de naissance, des sourds qu'ils sont devenus à l'enfance, à l'adolescence ou à l'âge adulte viendront nous parler. Vous verrez que les sourds sont bavards, qu'ils sont bruyants, qu'ils vivent dans un monde différent des entendants et qu'ils demandent simplement à être compris, même s'ils sont souvent plutôt heureux. Donc mercredi prochain dans Ça se discute, une émission assez étonnante qu'on n'a jamais faite et que vous n'avez sans doute jamais vue. À mercredi prochain, merci d'avoir été avec nous. Il est un peu tard encore, dans un instant, dernier journal et ensuite des mots de minuit avec Philippe Lefebvre. Bonne nuit. Merci beaucoup.